Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la Cité de l'Architecture et à la plateforme de la création architecturale. C'est un immense plaisir de vous voir aussi nombreux réunis en ce 4 janvier. Alors bonne année, et alors bonne année extrêmement constructive, devrais-je dire. Nous allons parler ce soir de la construction bois et puis de toutes les questions que soulève justement ce nouveau peut-être modèle économique. On va en parler ce soir, on va beaucoup parler. Nous avons la chance d'avoir deux maîtres d'ouvrage ici qui vont pouvoir nous donner des éclairages qu'on n'a pas forcément ici, parce que souvent, évidemment, il y a des architectes, urbanistes, paysagistes, designers, artistes. Mais là, ce soir, en plus, avec des acteurs de l'économie, donc on va pouvoir confronter des points de vue et vous verrez qu'ils sont très convergents. Alors, évidemment... je ne sais pas si elle est dans la salle, mais je voudrais rendre hommage à Ivana Bufkowska, qui a été l'une des premières, on ne pourrait pas dire l'une des pionnières, au Blanc-Mesnil, avec une opération de la pièce pointue. C'était il y a 40 ans que démarrait une opération en 77. Vous avez les maquettes derrière, et cette opération reste une opération de référence, je voudrais le dire, en matière de construction bois. Ivana, bonne année aussi. Je voudrais souligner qu'il y a, cette fois, s'il n'y a pas 40 ans, s'il y a un an chrono, commençait le grand jury pour le Réinventer Paris, une consultation qui appelait à l'innovation. Et on a noté qu'il y avait beaucoup de projets en structure bois, ce qui voulait bien dire quelque chose, 16 sur 23 des projets, ce qui donne déjà, évidemment peut-être que la ville voulait beaucoup ça, mais on voyait bien aussi que les architectes, avec leurs maîtres d'ouvrage, avaient expérimenté en la matière. Et puis je voudrais aussi parler de, parce qu'on ne va pas parler de logement social uniquement, beaucoup mais pas uniquement, donc je voudrais parler de Jean Nouvel qui a construit une tour en bois, l'une des premières à Charleroi en Belgique, c'était un hôtel de police, c'était en 2014, et puis tout récemment de Su Fujimoto, ce japonais dont tout le monde parle, qui a fait une expérimentation sur l'habitat, partagé. C'est au Japon, alors évidemment, vous allez me dire que là-bas, il y a une culture du bois, bien sûr, mais là, il s'agissait de logements en gradin, donc une expérimentation encore. Et puis, je voudrais dire que la jeune architecture française est très impliquée sur ce débat, et ça nous fait extrêmement plaisir. Des gens comme L.A. Architect, je ne sais pas moi, je vais le dire en anglais, parce que j'ai dit L.A., Los Angeles, peut-être. Bon, L.A. Architect, si vous préférez. Ils réalisent à Montreuil 35 logements sociaux. Et Wild Rabbit... c'est leur nom, à Aubervilliers, qui réalise un pop-up building, je cite, logements sociaux aussi, donc sur cette commune du nord-est parisien. Donc on voit bien que, outre le fait que nous présenterons ces deux projets dans la prochaine session de la plateforme, le sujet est vraiment d'actualité. Alors pour en parler, nous avons nos amis de cause, je dis nos amis parce que c'est la deuxième fois qu'ils viennent. Donc... oui, ce sont des habitués, mais parce qu'ils ont réalisé un projet qui a déjà été deux fois primé. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement, dans des situations et des parcelles pas faciles. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc on n'est pas sur le mythe de la page blanche, on est au contraire dans la complexité de la ville. Donc 15 réhabilitations et 15 en assature bois. Donc Nicolas Zizel et Christophe Wayoun qui prendront la parole. Puis Guillaume Poujol... on est vraiment ravis de vous recevoir ici ce soir. Vous venez de Toulouse, donc vous avez monté l'agence PPA et vous avez réalisé une expérimentation à Toulouse dans les quartiers nord. Je dis bien dans les quartiers nord et pas dans la banlieue de Toulouse, c'est important de le dire. Une résidence sociale de 50 logements modulaires que vous avez réalisé avec Pyrénées Charpentes, si mes informations sont bonnes, et Woodeum. Donc nous parlons de tout ça. Et puis nos deux maîtres d'ouvrage, Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, qui sont associés dans ces démarches de construction bois, et c'est avec eux que nous allons parler de ça. Alors très vite, je vais passer la parole à Cause, donc ils vont lancer leur petite présentation. J'ai demandé à chacun de faire une courte présentation et qu'ensuite nous ayons un débat, et évidemment il y aura des questions à la salle qui seront ouvertes en fin de présentation. Oui. À vous les causes. Ah oui, c'est avec ça qu'on bouge. Bah, j'attaque, donc, allez, vas-y. J'attaque parce que en plus je suis un peu malade, je vais moins parler, donc comme ça je ferai le début et la fin. Bonsoir à tout le monde et merci effectivement d'être là aussi nombreux. Donc on va vous parler un petit peu, bon, centrer un petit peu sur l'habitat, mais pas seulement, un peu nos expériences en bois passées, présentes et un petit peu et peut-être à la fin à venir. Nous on a commencé à construire en bois il y a maintenant 17 ans, voilà. C'était une petite maison dans les Landes et c'est un peu comme ça que venant comme beaucoup d'architectes
en France d'une culture, en tout cas à l'école, plutôt centrée sur le béton. On a découvert la réalité de ce matériau qu'on connaissait finalement assez mal, et puis également de ceux qui le mettent en œuvre. On a trouvé ça tellement bien qu'après on a décidé qu'on n'allait plus faire que du bois. Alors sauf qu'en 2001, ce n'était pas forcément une super idée, puisqu'on a dû perdre une bonne trentaine de concours d'affilée, où à chaque fois on proposait que ce soit du logement, de l'équipement, du scolaire, du loisir, enfin à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer, on le proposait en bois, et ça ne passait pas du tout. Alors, premier point, un peu pourquoi on est venu au bois, c'est évidemment le premier point de contact, c'est celui du matériau, hein, de ce matériau vivant qui travaille, qui s'use, qui se patine, qui amène une série de sensations et de confort. Christophe. On va juste faire un petit peu la genèse de notre travail en bois. On a commencé en faisant une petite maison et on a enchaîné en faisant du logement, puisqu'on est là un peu pour parler de logement. C'est sans doute l'exercice le plus difficile à faire en bois parce qu'il réunit toutes les contraintes qu'on peut imaginer, acoustique, phonique, incendie, etc. Alors là, on a deux logements, deux opérations très différentes qui ont toutes les deux été dessinées en bois. La première qui était a été dessinée un peu trop tôt, qui a fini en béton. C'était quand même la maladie des années qu'on a traversées, nous, c'est-à-dire cette volonté farouche de militer et puis ce râteau qu'on prend sans arrêt. C'est une opération qu'on revendique et qu'on aime beaucoup. Néanmoins, on n'a pas réussi. Voilà. Et comme on est acharné, les thèmes qu'on développe à l'agence sur la logique du logement, on les a réussi à les développer finalement aujourd'hui de manière un peu plus systématique. Dans une deuxième opération, vous voyez sur à l'écran. Donc ça, c'est une première à Courbevoie, une deuxième à Paris dans le 18e. Alors, le travail qu'on essaye de faire et pourquoi le bois se prête particulièrement à l'exercice, c'est vraiment un travail d'abord pour parler de logement, sur la qualité d'habiter. Sur l'opération de gauche qu'on voit à Courbevoie, on a travaillé sur une cellule d'un T3 assez simple, assez, disons, systématique, jour-nuit, etc. Et on est venu rajouter sur la façade un système de boîtes de manière très aléatoire qui crée une diversité dans le logement. Une ceinture qui entoure le bâtiment et qui permet de sortir de chez soi par toutes les pièces du logement. Et ensuite, un travail sur l'entre-deux, c'est-à-dire comment on fait pour accéder à son chez-soi. C'est cette distance que l'on met entre le privé et le public. Voilà. Et ces choses-là, on les a développées ensuite à Philippe de Girard sur cette opération-là. Et c'est là qu'on a compris que le matériau se prêtait assez bien, de manière, disons, assez riche à cet usage, parce qu'il permet des porte-à-faux assez impressionnants, parce qu'il y a une vraie souplesse dans l'utilisation. Philippe de Girard, c'est une opération qui est faite au fond d'une venelle, avec un passage sous un porche qui est assez étroit. C'est comme ça qu'on a commencé à imposer le bois, c'est-à-dire dans des situations très contraintes, grâce à la préfabrication et grâce à la difficulté d'accès. Ça a été notre porte d'entrée au bois. Voilà. Et puis, lentement, on développe des projets. Ça, c'est la dernière opération qu'on a réalisée dans le 13e. Elle n'est pas en bois, mais elle est construite comme en bois. C'est-à-dire, quand on ne peut pas, ben, on fait du poteau-poutre, et ensuite, on met de la passade légère. On est en train de faire exactement la même chose. Voilà. Mais les structures qu'on rajoute dessus, ça nous permet de la grande, disons, une grande liberté, en particulier sur les espaces extérieurs. Voilà. Alors pourquoi le bois ? Qu'est-ce qu'on apprécie tout particulièrement ? Nous, ce qui nous a la chose sur laquelle on a été le plus, intéressé, c'est le caractère innovant. C'est-à-dire que on est encore dans une phase de découverte, de recherche, de mise au point. Ça a des fois des contraintes parce qu'il faut convaincre les bureaux de contrôle, convaincre notre propre bureau d'études. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait qu'on est en train d'inventer des choses et de manière très qualitative. La deuxième logique, c'est qu'il y a encore, ce que le béton a un peu perdu, peut-être qu'il le retrouvera, un savoir-faire, une volonté, une envie, et chez l'artisan et chez le compagnon, il y a encore une espèce de, on va pas dire de joie, mais une vraie envie quand il est sur le chantier. Ça se voit. Voilà. Pour poursuivre, on a évidemment maintenant quasiment systématisé l'usage du bois dans l'agence. Donc ça, c'est une opération qu'on vient de finir dans le 16e. C'est un complexe sportif. Ça nous permet d'expérimenter les trois modèles constructifs du bois. C'est-à-dire qu'il y a dans cette opération du panneau massif, du lamellé collé
et de l'ossature. Pardon ? Fourni par Woodeum. Excusez-moi, je... heureusement que j'ai un... fourni par Woodeum, du panneau. Et mise en... Comment ? Et mise en œuvre par Matisse, qui est quand même le grand charpentier français, la grande structure française, ce qui nous manque aujourd'hui le plus, c'est-à-dire des entreprises qui ont capacité à faire aujourd'hui. Il y en a plein, hein, mais ça vient, ça structure lentement. Voilà, donc tout ça pour dire que ces opérations nous permettent la grande liberté qu'on connaît dans le bois, c'est-à-dire le lamellé-collé qui a fait ses preuves depuis le bois lamellé, on dit maintenant, on dit plus le lamellé-collé. Le bois lamellé qui permet évidemment d'avoir des grandes portées, une grande légèreté. Le panneau massif qui permet d'autres choses. Enfin, les techniques constructives sont très complémentaires. On les expérimente là et ensuite, c'est dans le logement qu'on a encore le plus de difficultés à faire et c'est là-dedans qu'on essaie d'être le plus pertinent. Alors, aujourd'hui, l'opération qui nous, disons, occupe le plus, c'est cette opération-là. C'est une opération à Strasbourg qui est un R+ 11, qui est 100% en bois. Là, on est en panneau, donc on travaille avec KLH et Eiffage. On est à la fin, donc le promoteur c'est Bouygues Immobilier, la commercialisation est quasi finie, on démarre le chantier en milieu d'année là. Voilà, donc ça a été 2 ans d'études. Je pense qu'on a essuyé pas mal de plâtre sur ce sujet, sur convaincre le CSTB, convaincre le Socotec en l'occurrence qu'il n'y avait pas de problème, mais on a essayé d'être systématique, c'est-à-dire que tout est en bois, même la cage d'ascenseur, voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, évidemment, les projets qui verront le jour avec d'autres de nos confrères. Bordeaux, c'était un R+ 18, sur lequel, pareil, on a, je pense, testé pas mal de choses et permis de développer notre savoir-faire dans ce domaine-là. Alors, on est évidemment dans le bois, il y a cet aspect humain là, des personnes qui le mettent en œuvre, de ces savoir-faire, cet aspect du matériau, et puis évidemment l'intérêt écologique du matériau. Tout simplement, ça c'est un peu une image pour vous dire, 1 mètre cube de bois, ça absorbe autant de CO2 que ce qu'émettent 2 mètres cubes de béton. Ce qui veut dire qu'en gros, si le volet structure du bâtiment voulait être zéro carbone dans un horizon proche, il faudrait qu'on fasse 30%. À peu près de nos constructions en structure bois. Alors aujourd'hui en France, comme vous pouvez le voir, nous en sommes à un total de 5,4% sur le logement, ce qui laisse voir la marge de progression assez forte qu'il y a avant que ce matériau, finalement, on atteigne un peu le point de bascule vertueux des capacités du matériau. Vous voyez qu'au Japon, par exemple, 66% des constructions de logements sont en bois. Alors ça tient aussi à une différence, c'est que c'est essentiellement de la maison individuelle. Mais toujours dans ces paradoxes de l'ultra-mondialisation, c'est pas forcément très vertueux puisque 70% du bois qui construit ces maisons est importé. Donc on se trouve aujourd'hui à peu près dans tous les pays du monde dans des situations à réfléchir en termes de filière, d'intégration et de comment est-ce qu'on fait travailler tous les acteurs depuis la forêt jusqu'au chantier. Donc... Ça passe aussi évidemment ce changement écologique par les modes de vie. Donc ça, c'était notre projet pour réinventer Paris du camping vertical. En tout cas, qui montrait que en construisant en bois avec un financement qui était assuré en interne, puisqu'on était juste en partenariat avec un charpentier Béliard Construction, Yasuicamp et nous, on arrivait à sortir un projet qui finalement était vivable et qui offrait un hébergement à partir de 8€ la nuit en plein Paris, ce qui était quand même montre que voilà, il y a des possibilités avec ce matériau d'arriver à des économies assez assez intéressantes, et puis également dans la souplesse d'habitat, dans sa transformabilité, son adaptation, etc. Comme on adore le bois, on s'est dit, mais bon sang, peut-être que le plus simple pour construire en bois, c'est d'aller construire là où il y a du bois. Et donc on a commencé à s'intéresser aux pays tropicaux et notamment à l'Afrique. Et là, on est retombé sur d'autres paradoxes, par exemple au Gabon. On a commencé à répondre avec un charpentier sur un programme de logements sociaux à très bas coût du gouvernement gabonais. On avait fait les logements les plus compacts, le mode de fabrication le plus économique, etc. Et malheureusement, c'était toujours trop cher pour une raison simple, c'est que le bois était vendu au prix export. On est dans un pays avec 80% de couverture forestière et 85% de population urbaine et quasiment 0% de construction bois. Et puis quand on s'est rendu sur place, on s'aperçoit que dans la forêt, on brûle des tonnes de bois
et qu'en ville, on a un charpentier qui a une ligne de production de la mêlée collée et d'aboutage qui tourne à 50%. Tout simplement, c'est vraiment, j'insiste sur ce côté filière, tout simplement parce que ces deux bouts-là ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas, ne se pratiquaient pas. Donc on a passé, et alors ça illustre aussi la façon dont finalement en s'acclimatant avec ce mode de construire en France, on finit par sortir un peu de notre rôle d'architecte concepteur, on finit par concevoir un peu d'autres choses, et notamment en passant une semaine sur place, on a essayé de recenser tout ce qu'on pouvait faire avec les déchets qui sortaient de la scierie en les quantifiant. Et donc aujourd'hui, ces deux bouts de la chaîne sont en train de se parler, sont en train de trier, sont en train de lancer une chaîne de production. Et on est super content puisque comme on vient de gagner un appel d'offres pour construire justement des logements pas chers en bois au Gabon, on a finalement fait exactement l'inverse de la façon dont on commençait, qui consistait à faire des projets en bois et puis à chercher qui allait les construire. Maintenant, on se retrouve plutôt à monter des chaînes de production et puis à avoir les projets qui arrivent derrière. Merci. Merci les causes. On va tout de suite passer à Toulouse en écoutant Guillaume Pujol sur cette opération expérimentale, très intéressante, faite pour le Adoma, hein, le maître d'ouvrage. Bonsoir. Merci à Francis Rambert et à toute son équipe pour leur invitation. C'est pas ça. Donc j'ai personnellement pas l'expérience que vous ont présenté mes confrères à l'instant dans la construction bois. On a certes construit quelques projets en bois il y a quelques années. Mais ce que je pourrais dire peut-être en préambule, c'est que le bois, c'est pour nous, ça a été, dans le cadre de cette opération, un moyen de réenvisager l'architecture comme un moyen de construction, d'abord. Une discipline technique qui appelle à la précision, à l'échange avec les entreprises. Dans le cadre de ce projet avec la société Pyrénées Charpentes, qui est une entreprise moyenne basée à côté de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, plus qu'un travail de création, peut-être débridé, c'est le bois pour nous, c'est d'abord une école de construction, de précision et de construction. Donc, le cadre de ce projet, situé dans le nord de Toulouse, dans des quartiers périphériques, le centre de Toulouse est ici, la place du Capitole que vous connaissez peut-être, un quartier très mixte, en voie de modification rapide, pas très maîtrisé par les pouvoirs publics, avec beaucoup d'opérations immobilières de qualité moyenne, on va dire, avec donc une commande passée par Adoma. Adoma, c'est un bailleur social qui appartient au groupe SNI et qui s'occupe particulièrement de logements très sociaux. Ça s'appelait la Sonacotra avant. Donc ils ont une petite résidence dans ce quartier nord de Toulouse qui a été bâti en plusieurs étapes. D'abord, un foyer pour travailleurs migrants dans les années 60, qui était le long de la voie rayonnante principale, puis d'autres opérations réalisées dans les années 80 de logements toujours très sociaux. Tout ça organisé autour d'une placette qu'on appelle la place des papyrus, mais qui est un espace privé. La question posée dès le départ par Adoma, et on va les en remercier, c'était de la construction modulaire en bois.
ils avaient déjà réalisé, avec des techniques différentes, des opérations de ce type, je crois à Nantes, et il s'agissait là de reproduire une opération dans leur tête un petit peu semblable, sauf que la configuration du site, son étroitesse, on va dire, la configuration des bâtiments existants faisait que il était pratiquement impossible de réaliser un bâtiment avec des systèmes traditionnels en bois qu'on connaît, en ossature traditionnelle. Mais donc, il fallait monter. Pour monter en R+2 ou R+3, les options se sont très vite tournées vers une construction modulaire en panneaux de forte épaisseur, le CLT en l'occurrence, fourni par Odéum, donc. Et donc le programme devait être compact, notamment pour préserver au maximum des espaces publics, des espaces collectifs plutôt, pardon, associés aux différents bâtiments sur le site. Le bâtiment nouvellement créé, servant de bâtiment de première opération de rénovation de tout le site. Il est prévu que ce bâtiment soit rénové, voire même démoli. Et donc, ce bâtiment servira d'opération de tiroir pour faire déménager des personnes pour ensuite transformer le site. Donc, très rapidement, qui dit construction modulaire dit module. On est là sur un programme de résidence sociale. Donc, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre une résidence hôtelière et du logement classique. Donc, des petits logements entre 20 et 32 mètres carrés qu'il s'agissait d'assembler comme des briques, on va dire. C'est pas parce que je suis toulousain que parler de ça. Voilà, un mode de composition basé sur le principe du module, évidemment. Donc une organisation sur le site qui nous amène à proposer un bâtiment dont le plan est comme ceci, donc qui s'organise dans une sorte de redans successif, de telle sorte que le nord étant en haut de la parcelle, on arrive à tourner un minimum de logements qui sont petits, donc pour nous orienter un minimum vers le nord, et à profiter de vues dégagées et à offrir un minimum de vis-à-vis par rapport aux bâtiments existants. Vous trouvez ici le principe d'aménagement d'un module standard qui ressemble assez fortement à une chambre étudiante ou peut-être à une chambre d'hôtel, équipé d'une kitchenette et d'une petite salle de bain. Donc, à partir du moment où on avait envisagé la question de la forme générale du bâtiment, la question se posait de mettre au point le principe constructif. Mes confrères l'ont dit tout à l'heure, on est dans une phase encore un petit peu expérimentale dans la mise au point de ce type de bâtiment. Donc on a eu un travail très poussé de mise au point du projet avec l'entreprise Pyrénées Charpentes, qui assumait aussi le rôle de bureau d'études structure. Et donc on a travaillé la totalité des détails ensemble. L'entreprise a produit des notes de calcul, on a échangé très longuement avec les bureaux de contrôle, une grosse difficulté à faire admettre qu'un mode constructif en modulaire bois était un mode constructif classique, tout de même. Le CLT dispose d'un avis technique, enfin on peut bien évidemment s'appuyer dessus pour concevoir. Et donc on en arrive à la production de boîtes, de briques de logements. Ça c'est le module témoin qui a été fabriqué dans l'atelier de Pyrénées Charpentes, à côté de Lourdes, au pied des Pyrénées. C'est un cadre assez agréable pour
pour les ouvriers qui ont, les compagnons qui ont travaillé. Je crois que ça a été pointé aussi, mais l'un des avantages de la construction bois et de la construction modulaire, peut-être encore plus, c'est la qualité de travail des compagnons. C'est-à-dire que tous les modules, les 50 modules qui ont été produits, l'ont été entièrement en atelier. Ils ont été livrés sur le chantier fini, avec leur sol, avec leur prise électrique, avec tout. Ils n'avaient plus qu'à être raccordés sur le chantier. Et effectivement, pour les compagnons, on les voit là. Bon, ils ont quand même un bonnet et des gants, mais il y a quand même une qualité, un confort de travail pour les personnels qui est incomparable avec ce qu'on peut voir sur les chantiers classiques aujourd'hui. Donc vous avez ici à gauche le module témoin qui avait été entièrement terminé pour approbation du maître d'ouvrage. Et ensuite, donc, les modules avec une première tentative d'empilement. Le système d'empilement a été mis au point par Pyrénées Charpente. Il est extrêmement astucieux. On le voit peut-être ici. Vous avez ici un système de pâte métallique qui sert à la fois au levage, évidemment, parce que les modules ont été transportés par camion et empilés sur le site par des grues mobiles, donc qui sert à la fois au levage et également à l'assemblage, c'est-à-dire un système mâle femelle, on va dire, d'emboîtement des modules, qui est extrêmement astucieux, qui permet le contreventement aussi. Je ne vais pas m'attarder sur le détail du mode constructif, peut-être juste pour vous dire que les panneaux de CLT constituent les quatre côtés principaux, les quatre façades de chaque module, un plancher en 120 mm, deux murs latéraux en 80 mm et un plafond en 60 mm, je crois. Tout ça s'empile avec un isolant intercalaire, une petite dallette béton posée sur le plancher de telle sorte que le bâtiment ait un petit peu plus d'inertie thermique et améliore ses performances acoustiques entre niveaux. Ici donc le module, on va dire sorti d'atelier, fini avec sa petite kitchenette, son petit placard, etc. On lit ici le plafond en CLT simplement lasuré. En fait, c'est un immeuble en bois, mais qui n'a pas, franchement, qui ne surjoue pas, on va dire, l'effet de construction bois, pour des raisons aussi de pérennité dans un cadre qui est un petit peu de ce quartier qui peut avoir des aspects un peu durs par certains côtés. On a proposé quelque chose de plus neutre, on va dire, en façade. Les modules sont lus, bien évidemment. Ce cadre exprime la façade ouvrante de chaque logement. Mais c'est probablement le seul élément en bois qui n'est pas structurel dans le projet. Alors je citerai parmi les membres de l'équipe la paysagiste Emma Blanc, avec qui on travaille tout le temps, qui est parisienne, et qui s'est occupée avec nous de traiter les espaces publics et collectifs du projet. Donc des façades très simples avec un panneau coulissant formant volet, une baie vitrée la plus grande possible et un petit garde-corps en verre. Le reste des façades étant traité en aluminium. Voilà. Et ceci, c'est un petit time-lapse très rapide de la construction qui a duré... on va dire 3 semaines pour la pose des modules et 4 mois au total. Merci.
Merci Guillaume, on reparlera de tout ça en détail tout à l'heure. Je vais céder la parole à Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic qui font un numéro à deux ou l'un après l'autre. D'accord. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, Philippe et moi, on est des promoteurs immobiliers en fait. Et toute notre carrière, on l'a faite à couler du béton un petit peu partout à travers la France pour Philippe, un peu à l'étranger. Voilà, moi j'ai fait ici, je suis venu ici pour des tours à la Défense, on avait fait des trucs avec Francis à l'époque. J'ai essayé de faire une tour en forme de triangle à la porte de Versailles aussi. je sais pas si mes successeurs la feront. Et puis il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de créer avec Philippe une entreprise qui s'appelle Woodeum, qui est en fait une entreprise de promotion immobilière, mais qui a quelques petites particularités, on va vous raconter. En fait, on s'est dit, il y a 4 enjeux pour nous promoteurs dans les années qui vont venir. Il y a un enjeu d'écologie, et Philippe et moi, on a été tous très emmerdés par l'écologie pénible, très bureaucratique qu'on nous impose avec des tas de critères, etc. Et on pense que le problème de l'écologie, c'est le réchauffement climatique, et le problème du réchauffement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est une conviction parmi d'autres. En tout cas, elle nous permet de penser plus simplement l'écologie. Et puis, on est tous dans un sujet de rapidité. C'est-à-dire que plus on avance et plus le monde tourne vite, plus les besoins sont urgents. Et nous, dans le monde de la promotion, ce qui est marquant, c'est qu'en fait, on va de plus en plus lentement. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus de temps pour construire. Donc quand j'ai commencé à travailler, on faisait une tour à la Défense en 18 mois, maintenant il faut 3 ans pour en faire, et ça c'est sans les délais administratifs. Et évidemment, si vous rajoutez à ça les délais administratifs, vous apercevez qu'il faudra 25 ans pour faire le métro du Grand Paris, là où quand on était sous le général de Gaulle, on mettait que 6 ans pour faire 2 lignes de RER, et M. Fulgence a fait le métro de Paris en 5 ans et demi. Les 4 premières lignes du métro de Paris. Donc vous voyez, nous sommes dans une grande période de ralentissement. J'ai consacré un ouvrage qui d'ailleurs est toujours disponible aux éditions Grasset, qui s'appelle « Plus vite, la France malade de son temps ». Il en reste encore quelques-uns. Et qui se plaint de ce grand ralentissement. Donc voilà une des clés, en tout cas, qui va vous être proposée pour accélérer un tout petit peu et pouvoir amener quelque part, livrer un tout petit peu plus vite. Les questions des nuisances, c'est une énorme question. La question des nuisances, c'est une énorme question. Nous sommes dans des pays qui vieillissent et qui supportent de moins en moins les chantiers. Et donc de plus en plus d'élus, de politiques ne veulent pas lancer des grands projets parce qu'ils ne veulent pas être emmerdés par des lettres commandées, des assos qui disent arrêtez le bruit, les camions, etc. Donc il va falloir aujourd'hui apprendre à travailler la ville, mais de façon beaucoup moins chirurgicale qu'on l'a fait jusqu'à présent, et donc de passer de la chirurgie massive telle que l'a pratiquée mon père à une chirurgie fibroscopique, si vous voulez, dans laquelle l'intervention dans la ville va être plus courte et elle va être beaucoup moins embêtante pour les voisins. Et puis la dernière question, c'est la question de la réversibilité, vieille question débattue ici souvent, des immeubles, c'est-à-dire la capacité à faire autre chose aux immeubles et à les faire évoluer. Or, les matériaux traditionnels de type béton ont une particularité, c'est qu'ils sont très peu réversibles. Donc c'est très très compliqué de casser et de refaire des choses dès qu'il y a du béton. Moi j'ai vécu le chantier du Forum des Halles. C'est un peu compliqué de percer des grands trous avec en dessous des commerces qui fonctionnent. Voilà, un cinéma qui fonctionne. Enfin, voilà, on a eu les mêmes emmerdements pour le CNIT. Voilà. Alors, on est tombé, en fait, avec Philippe sur une invention. On pensait que c'était une invention autrichienne, etc. Mais on est très content de vous dire qu'en fait, c'est la France qui a inventé le CLT, le Cross Laminated Timber. À l'époque, ça s'appelait le Multipli. Et c'est un ingénieur formidable qui s'appelle Pierre Gauthier, qui a compris qu'en fait, en assemblant des lamelles, mais à plis croisés, on pouvait obtenir des choses aussi costauds que des murs porteurs. Et dans les années 60, Jean Prouvé l'a utilisé à 2 reprises, ce matériau, à Nancy, pour son propre pavillon, et puis pour une buvette à Évian. Et puis, depuis les années 80, ce matériau, notamment grâce aux Autrichiens et aux Suisses, est devenu un matériau d'usage courant. Et il s'appelle Cross Laminated Timber. Nous, on l'appelle bois lamellé, contre-collé croisé, car nous sommes français. Voilà. Alors, ça fait des gros voiles. Hein. C'est ce que nos amis ont appelé du panneau. Mais nous, on dit voile, parce que panneau, ça fait un peu... voilà. Donc, voile, c'est quand même... élément constructif. Maintenant, on dit élément constructif. Voilà. Et... voilà. Alors,
Je sais pas si ça va avancer. Il faut que je rappuie une fois, peut-être. Je sais pas pourquoi. Non. Bon. Là, on était censé vous montrer une petite vidéo. Il y en a une vidéo ou pas, non, Ariel? Attends. Parce qu'en fait, ce matériau se prête très bien. S'il y a des étudiants en architecture, là, c'est un matériau génial pour le BIM. Pour le BIM. Le BIM et la maquette numérique, parce qu'en fait, on va tout mettre au point. Donc, vous ne verrez pas cette très jolie maquette numérique qu'on a développée avec Jean-Michel Villemotte sur un projet. Mais en fait, elle existe quand même, quoi. Voilà, donc on vous le dira. Alors, du point de vue écologique, c'est assez simple. La ressource, elle coche toutes les cases en matière écologique, hein, le bois. C'est-à-dire qu'on a une ressource renouvelable, elle est 99% naturelle, il y a 1% de colle, les colles sont sans formaldéhyde, elles ne sont pas polluantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du point de vue écologique? Ariel, qui est vraiment... Ariel, elle a... Un truc de particulier, c'est quand elle a quelque chose en tête, il ne faut pas l'arrêter. Donc, elle va vous montrer, quand même, malgré tout, ces histoires. Donc, ce qui est sympa, en fait, quand même, avec ce matériau, c'est qu'on a réconcilié le travail de l'ingénieur et le travail de l'architecte. Vous avez vu qu'on, là, autour de nous, là, ces architectes qu'on construit en bois, ils vous ont parlé beaucoup d'ingénierie. Quand on construit en bois, on est obligé de mélanger l'ingénierie et l'architecture, tout simplement parce qu'on va construire avec des éléments qui sont ajustés au millimètre et qui sont livrés dans un temps record. Donc inutile de vous dire qu'on est obligé de travailler un tout petit peu différemment que dans les chantiers béton, où nous, avec Philippe, on a toujours l'habitude de dire que les gens sérieux, c'est-à-dire les vrais ingénieurs, arrivent une fois que le chantier commence, quoi. Les gens de Bouygues sérieux, on les voit une fois que le chantier commence, hein, on est d'accord, hein, à peu près. Hein. Sinon, avant, on a affaire aux commerciaux, quoi, pour faire simple. Bon, bah, là, on ne peut pas se permettre ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ingénieurs, ils sont obligés de bosser avec les archis en amont pour mettre au point intégralement ce système. Ça veut dire que c'est beaucoup plus exigeant. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que c'est plus rapide. Ça veut dire aussi qu'on aura le droit, on aura beaucoup moins de flexibilité pendant la phase chantier pour faire évoluer le produit. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'écologie. C'est le principal atout de ce matériau, c'est son empreinte carbone. Nous, on est absolument persuadés que plus on va avancer dans notre volonté collective d'être plus écologique et plus on va regarder les questions d'empreinte carbone. Et quand on fait l'empreinte carbone d'un bâtiment sur son cycle de vie, qu'on calcule en fait sur son cycle de vie, on s'aperçoit que la phase construction est très émettrice. Elle est très émettrice. On a fait énormément de progrès sur la phase exploitation. Hein. Nos bâtiments consomment de moins en moins, enfin rejettent de moins en moins de CO2 sur la phase exploitation. Mais il faut quand même constater que sur la phase construction, on s'était jusqu'à présent très très peu posé la question des émissions de CO2 sur la phase construction. Or, il se trouve par chance qu'en fait, un arbre, c'est une espèce de machine à capturer du CO2. Donc un arbre passe sa vie à manger du CO2, conserve le C et rejette l'oxygène. Donc c'est tout simple. Quand vous avez un arbre qui est vivant, c'est à la fois une pompe, ses feuilles sont une pompe à CO2, et le tronc est un gros réservoir de CO2. Mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc un jour, votre arbre, il va arrêter d'absorber marginalement du CO2. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il devient? Si vous ne faites rien, cet arbre, il va tomber et puis il va y avoir un phénomène qu'on appelle la putréfaction qui va faire que le C se marie à nouveau avec l'oxygène et il va y avoir des émissions de CO2. Donc une forêt non exploitée est à peu près neutre du point de vue de son bilan carbone. Si par contre vous sortez ce stock de carbone et que plutôt que de vous chauffer avec, vous le mettez ici, là, Monsieur Rambert a organisé un piège à carbone, vous avez un piège à carbone. Vous voyez, tout au-dessus de vous, là, vous avez un piège à carbone. Donc Monsieur Rambert, ici, stocke du C, il ne le savait pas, hein, c'était comme Monsieur Jourdain. En fait, c'est une grosse machine à décarboner l'atmosphère, surtout qu'il a pris soin de vérifier que ce bois vient de forêts qui sont gérées durablement, c'est-à-dire qu'à la place de ce tronc-là, il y a un jeune arbre qui a été planté et qui lui-même va réalimenter la pompe à carbone. C'est tout simplement ce cycle de piégeage de carbone qui nous semble particulièrement intéressant et beaucoup plus efficace que d'essayer d'envoyer du CO2 sous la mer ou dans les anciennes mines ou de faire des choses très très compliquées. C'est très naturel, c'est très simple. Et en plus, non seulement on va stocker net du carbone, 460 kg de CO2 par mètre cube, mais on va venir remplacer une ressource qui est très émettrice de carbone,
qui est le béton. Alors maintenant, aujourd'hui, on essaye de faire du béton moins émetteur de carbone, mais le béton, c'est quoi? C'est du sable. Pour aller chercher du sable, il faut des très très gros camions, il faut aller de plus en plus loin. C'est une réaction chimique avec de la chaux qui elle-même est émettrice de CO2. Et voilà, si vous lisez les bouquins de Jean Jouzel, on vous dira que le ciment et le béton est responsable d'une très très grande partie aujourd'hui du réchauffement climatique. Et donc, il est absolument essentiel de se poser la question de l'empreinte carbone des matériaux. Voilà. Donc pour ça, vous pouvez tous adhérer à une association formidable dans laquelle il y a tous les promoteurs, il y a BNP Paribas, il y a Unibail, il y a des tas d'autres gens, Bouygues, Vinci, etc., qui se posent la question de savoir comment on peut construire en émettant moins de CO2. Ça s'appelle bâtiment bas carbone, BBCA, et la plupart des recherches ont été faites avec le CSTB. Donc ce sont des gens extrêmement sérieux sur cette question. Haute performance technique et architecturale, avec le CLT, on peut faire de la grande hauteur. Jusqu'à présent, on était limité à 2 ou 3 étages. Avec l'ossature bois, on avait des problèmes de contreventement. Avec le CLT, on fait des murs qui sont des murs aussi costauds que les murs de porteurs de béton quasiment. Et donc, on n'est pas limité en hauteur. On peut construire la ville. Les questions acoustiques, c'est la faiblesse traditionnelle du bois, mais elles sont assez simple à régler avec le CLT parce qu'en fait on est en surface plane, donc il suffit de rajouter des matériaux un tout petit peu plus denses comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur Pujol. En sismique on est bon et en résistance au feu, ce qui fait peur à tout le monde, comme c'est un bois qui est extrêmement massif, il brûle très mal et très lentement et donc il n'y a pas trop de soucis du point de vue du feu. Il prend pas feu à première flamme à 400 degrés et ensuite c'est une consommation et tout ça a été vérifié, calculé avec le CSTB. Voilà, donc notre entreprise d'ailleurs a passé probablement 2 ans avec le CSTB à essayer d'obtenir toute forme d'ATEX possible et d'avis technique pour pouvoir faire un maximum de choses à ce matériau. Voilà des exemples de complexes acoustiques qu'on a testés au CSTB. Rapidité de construction, c'est un gros avantage de ce système. Puisque ce matériau est léger, quasiment à même capacité de report de charge par rapport au béton, il est 5 fois plus léger, on va pouvoir le transporter, on va le transporter très facilement et donc on va l'amener sous forme de prémur ou prédalle dans un état quasiment fini, ce qui va nous faire un chantier accéléré par un facteur de 2 fois pour ce qui concerne le gros œuvre. Et dans les dernières expérimentations, en fait, à chaque chantier, on est en train d'accélérer ce processus en essayant d'intégrer un certain nombre de réservations qui sont déjà faites en usine. Et peut-être que demain, en effet, on avait fait de la 3D sur Toulouse, mais peut-être que demain, en tout cas, on fera au moins de la 2D équipée sur un certain nombre de projets qu'on va vous montrer. Voilà. Et tout le secret, ça va être l'intervention des corps d'état secondaires, puisqu'on est en chantier sec, donc on peut faire rentrer les plombiers et les électriciens très très tôt dans le chantier, et que là, on a plutôt on cherche plutôt le confort de travailler avec des grandes entreprises. Elles sont toutes extrêmement surprises de la rapidité avec laquelle, en fait, on peut réaliser toutes ces tâches. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'aller encore plus vite. Du point de vue des nuisances, c'est assez simple. Les rotations de camions sont divisées par un facteur de 6 à 8 fois, tout simplement parce qu'un camion de CLT transporte 45 mètres cubes de matériaux. Un camion de béton transporte 6 à 8 mètres cubes de matériaux. Une toupie à béton transporte 6 à 8 mètres cubes de matériaux. Donc, comme on fait à peu près le même nombre de mètres carrés par mètre cube de matériaux, vous imaginez bien que très, très vite, on est 6 à 8 fois moins embêtant pour les riverains. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié. Du point de vue des économies, puisqu'on devait parler de sous ici, on est... Alors, ça dépend un tout petit peu des projets, mais pour faire très simple, on est 2 à 5 % plus cher que des projets traditionnels pour la même chose, là, sur des exemples de logements sociaux dont va vous parler Philippe. Mais on livre 6 à 8 mois plus tôt. Et donc, quand on parle aux investisseurs, aux bailleurs sociaux, très très vite, juste l'entrée en loyer, et là on parle de loyers sociaux, hein, permet en fait de couvrir la quasi-totalité du surcoût. Nous, on fait le pari avec Philippe que plus on va avancer, et moins on va être cher. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a encore pas mal de gains du point de vue économique.
à raison d'abord de marges de précaution qui ont été prises à tout le monde dans nos premiers projets. Les assureurs venaient nous expliquer que, évidemment, il fallait payer des primes qui étaient trois fois la prime classique. Aujourd'hui, ça commence à se calmer, puisqu'on a, pas, on a prouvé qu'on n'avait pas de sinistralité. On a beaucoup de corps d'état secondaires qui étaient très inquiets de faire un trou pour faire passer un câble dans du bois, alors que ça ne leur posait pas de problème avec le béton. Ils se sont aperçus que le bois, c'était plus simple et que ça allait beaucoup plus vite de percer un trou dans du bois que dans du béton. Donc voilà, on avance comme ça et on pense que ça va être moins cher. Alors quelques applications. Bah, d'abord, Adoma. Hein, voilà, ça, on vient d'en parler. On va peut-être essayer juste de vous passer le témoignage quand même de la responsable, la maîtrice d'ouvrage d'Adoma, si on arrive à le faire passer, parce que je trouvais que c'était intéressant, si on a le son. Non, il n'y a pas de son. Bon, alors, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait, le but, c'était de voir. Voilà, la deuxième opération, c'est Philippe qui va vous en parler. C'est une très, très grande opération. C'est la plus grosse du monde. Voilà, Harris. Oui. Allô ? Oui. Alors, c'est jamais facile de parler le dernier, mais je vais essayer maintenant de vous illustrer par des exemples concrets notre activité. Alors, la première opération de promotion que nous avons réalisée, on n'a pas pris la plus petite, puisque c'est 140 logements à Ris-Orangis, que vous voyez ici, avec Jean-Michel Villemotte comme architecte, avec Eiffage comme entreprise générale. C'est une opération qu'on a construite en 11 mois. C'est une opération pour laquelle on a eu les autorisations administratives, permis de construire alors qu'on était très proche de la Seine, que nous avons eu en 3 mois. Et c'est une opération donc, que nous avons construite au total entre le moment où nous avons commencé l'étude et où nous avons remis les clés au client. Le client, en l'occurrence, c'est 3F. En l'espace d'une quinzaine de mois, ce qui est quand même extraordinairement rapide. Et alors, ce qui est quand même très intéressant aussi, c'est que 2 mois depuis la livraison de cette opération qui est occupée maintenant par les locataires, il nous reste une seule réserve à lever sur 140 logements. Alors, je peux vous dire que moi qui ai l'expérience de quelques dizaines de milliers de logements construits dans ma vie passée en béton, je n'ai jamais vu une situation comme ça. Voilà, donc on considère que c'est quand même très, très, très positif. Alors, voilà l'accéléré. Alors, justement, Ariel, on a besoin de toi. Ah ben non, ça, c'est le sujet d'après. Voilà, alors, on a eu un rez-de-chaussée en béton et on a eu les cages d'escalier en béton. Cela étant, ça serait à refaire, on ferait les cages d'escalier en bois, parce que les cages d'escalier en béton, ça a été compliqué à mettre en œuvre. Alors vous voyez, ces grands voiles constructifs, ils font quasiment 20 mètres de long sur 3 mètres de hauteur, donc c'est quand même des sacrés engins. Ça fait 5 plis, donc c'est à la fois dense et en même temps assez léger. Et c'est tout. Seconde opération, c'est au fort d'Issy-les-Moulineaux, à l'entrée du fort, mitoyen d'une école maternelle. On a réalisé cette opération de logement, genre condominium, R plus 2 plus attique, en enduit. Alors, il faut savoir que le CLT n'a pas vocation à rester à l'extérieur, que nous mettons un doublage par l'extérieur et dessus, au choix, on met ou de l'enduit, ou du bois, mais c'est un autre bois que le CLT, ou de la brique, ou de la pierre agrafée, comme sur l'opération suivante, ou du métal, comme sur une autre opération qu'on va vous montrer après. Et alors, ce qui est intéressant au niveau, je vais insister juste là-dessus, parce que je crois que ce qu'a dit Guillaume Pujol tout à l'heure est tout à fait passionnant, c'est que pendant le chantier, c'est vraiment des autres chantiers. Bouygues, qui a réalisé cette opération, a formé ses compagnons du béton sur le bois. Et ils travaillaient dans un silence quasi total, comme des horlogers. C'est vraiment de la précision, puisque les éléments constructifs arrivent prédécoupés au millimètre.
dans une ambiance détendue, à tel point d'ailleurs que je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent retourner sur des chantiers de béton. Et l'école maternelle qui était mitoyenne, au mois de juin, les fenêtres pendant le chantier étaient grandes ouvertes sur le chantier. Donc une insertion dans le tissu urbain tout à fait exceptionnelle. Bien sûr, cette opération, elle est vendue en totalité. Elle sera livrée au début de l'année prochaine. Elle sera livrée en février, début février. En réalité, nous l'avons construite, celle-ci, en 9 mois. Opération suivante, à Saint-Ouen, juste en face des puces. Une opération donc en pierre agrafée qui s'insère bien dans un environnement où il y a de la maison individuelle. Donc on a fait des bâtiments, là on ne le voit pas très bien sur cette perspective, mais on a fait des bâtiments en épanelage, et donc rue des Rosiers. Et cette opération, 50% est prévendue avant le démarrage des travaux. Les travaux démarrent fin janvier et sont réalisés par l'entreprise Eiffage. Alors ça, c'est un concours qu'on vient de gagner à Vélizy. Alors vous voyez qu'on a une liberté architecturale vraiment totale en matière de façade. Voilà, c'est François Leclerc qui est l'architecte de l'opération. Vous voyez la diversité architecturale. Voilà. Et c'était Christian Delaire tout à l'heure, oui, sur Saint-Ouen, absolument. J'ai le souffleur à côté. Alors ça, c'est une opération, un projet. On en a dit un mot tout à l'heure à Bordeaux. Voilà. On peut montrer la vidéo avec Jean-Paul Viguier comme architecte et qui fait 17 étages en logement. Avec Eiffage et 3F. Comme partenaire. Donc là aussi, ça, le CLT se prête très bien à ce mode constructif. J'entends pas. Une partie du bois, là, sera d'origine française, puisque en fait, il y a une unité de production de CLT qui s'est montée dans les Landes, qui s'appelle l'entreprise SACBA, et donc une partie de la fourniture, pour ça une première d'ailleurs, je pense, viendra localement des Landes pour aller à Bordeaux, le but étant évidemment de raccourcir au maximum l'endroit de production de nos immeubles. Voilà. Alors, cette remarque signifie donc que une grande partie de nos réalisations sont faites en épicéa, en bois épicéa, qui provient d'Autriche, puisque la filière bois française commence à être organisée par rapport à la filière scandinave autrichienne, qui est déjà très largement opérationnelle. Alors ça, on parlait tout à l'heure de réinventer Paris, donc nous sommes partenaires de BNP Paribas Immobilier sur l'opération de Porte des Ternes. Juste, vous voyez la petite chapelle derrière le Palais des Congrès. Alors, l'intérêt du bois, là aussi, c'est non seulement pour la construction, mais également sur la réalisation sur dalle, puisque le bois, par nature, est plus léger. Donc, on couvre un morceau du périphérique et on construit sur cette couverture. C'est également le produit idéal pour les surélévations. Voilà, donc un matériau d'avenir, l'architecte étant Jacques Ferrier. Alors voilà l'intérieur des opérations de logement qui donne vraiment une ambiance à la fois chaleureuse, à la fois douce. Et là, on laisse pour le coup, on laisse le CLT apparent dans certaines pièces, soit au plafond, soit sur les murs. Alors les autres applications, ça c'est une opération d'auberge en ville, de centre commercial, de galerie commerciale qui a été réalisée en bois.
Ça, c'est une opération qui est réalisée par Jean-Paul Viguier d'Hôtel. Ça sera le long du périphérique, face à la cité universitaire côté Gentilly. Un hôtel auberge de jeunesse fait pour Accor de 250 chambres avec une façade en métal. Ça, c'est une petite opération d'hôtel en bois qui est fait aux Deux Alpes. Alors ça, c'est le siège de Vouéum, tout nouveau. Hein, pour... C'est le pendant au Pont de Sèvres, c'est le pendant des Tours du Pont de Sèvres en beaucoup plus petit. Voilà, donc ça, c'est notre... voilà, exactement, c'est juste de l'autre côté. À partir d'un immeuble qui a été réalisé par Zirflus et qui est surélevé, d'un étage en bois et en verre, comme vous pouvez le constater. Donc si vous voulez venir nous voir, c'est là qu'on est maintenant. Alors voilà l'intérieur des, bureaux. Donc vous voyez, on a laissé tout le plafond en CLT apparent. Donc on nage dans le CLT là. Alors ça, c'est une très grosse opération à Nanterre sur 17 hectares où sera développé un projet de campus, de bureaux et d'activités qui fera 140 000 m² qui sera très certainement à l'évidence le plus grand campus en bois d'Europe. Voilà, donc... Merci pour ces présentations. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir à quel point vous avez tous insisté sur la rapidité d'exécution. Je crois que là, c'est un point clé dans l'économie du bâtiment et même, on pourrait dire, à la fois dans la filière. On a bien noté, moi j'ai noté une chose, c'est que le bois venait très peu de France, donc il y avait un problème de filière. Premier point, vous avez, même si il y a en Aquitaine déjà des choses qui ont l'air de s'améliorer, mais c'est vrai que c'est une sorte de paradoxe. La France a je ne sais combien d'hectares de forêts et la filière n'est pas au point. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Alors, c'est simple, la France produit notre forêt à périmètre constant, produit 100 millions de mètres cubes par an de bois et nous récoltons moins de la moitié, à peu près 50 millions de mètres cubes. Si on voulait faire toute la production de logements neufs en bois, en bois CLT au lieu de la faire en béton ou en matériaux traditionnels, on aurait besoin d'aller rechercher 6 à 7 millions de mètres cubes de plus, c'est-à-dire rien du tout par rapport à la partie non consommée et jamais récoltée du bois. Donc oui, il y a aujourd'hui la possibilité et la ressource en France pour très clairement faire beaucoup plus en bois. Ce qui a beaucoup manqué, ce qui manque, c'est l'industrie, la filière, on est bien d'accord là-dessus. Il faut quand même juste expliquer qu'il n'y avait jusqu'à présent pas de demande, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il n'y avait juste pas de demande. Donc quand il n'y a pas de demande, qu'il n'y ait pas d'offre, ce n'est pas totalement illogique. Les choses sont en train d'évoluer. Je connais au moins deux ou trois projets de scieurs français, de lamellistes français qui veulent se mettre à faire du CLT. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir. Voilà. C'est vrai que c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Il n'y avait pas de demande. Donc, les propriétaires forestiers, la forêt française, elle est très morcelée. C'est-à-dire que chaque propriétaire, voilà, ça se transmet de famille en famille. Ça rapporte rien. C'est le point important. Ça rapporte rien. Le bois, il est exploité pour être brûlé. Et enfin, c'est du bois de chauffage, grosso modo. Il n'y a pas d'incitation à le valoriser. Voilà, alors, vous savez qu'il y a, en matière de groupement forestier agricole, il y a une défiscalisation forte par rapport aux droits de mutation et par rapport à l'ISF. Et que donc, du coup, il n'y a pas une incitation supplémentaire à rendre ces forêts dynamiques. Mais moi, je suis architecte conseil de l'État en Ariège, qui est un vrai pays forestier. Donc on s'est penché sur cette question-là en collaboration avec les Espagnols. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de propriétaires. Déjà, il n'y a pas de recensement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas à qui ça appartient. Il y a des propriétaires qui ne savent même plus que ça leur appartient. Donc il y a un abandon de la forêt. Il y a eu quelques, disons, dispositions qui étaient de la maintenance pour éviter que ça brûle dans les pays qui étaient sujets. Mais dans des pays humides comme l'Ariège, on s'en fout. Et grosso modo, on a une forêt qui est... en roue libre, quoi. Donc je pense qu'on a un gros potentiel,
reste, disons, à la structurer de manière raisonnée, c'est-à-dire de gérer le feuillu et le résineux de manière raisonnée, de ne pas faire ce qu'on a fait avec l'agriculture, c'est-à-dire des plantations sauvages pour appauvrir le sol, etc. Donc il y a une intelligence de la filière à trouver. Il faut couper les arbres, il faut les replanter, il faut en les coupant les utiliser. Est-ce que vous savez que dans notre balance commerciale, le deuxième poste le plus difficile dans la balance commerciale, c'est le poste bois ? Après les hydrocarbures. C'est combien il est déficitaire dans la balance commerciale, le poste bois ? 5 milliards d'euros par an. Nous importons pour 5 milliards de différence alors qu'on a la troisième forêt européenne. Donc c'est vraiment à se taper la tête contre les murs. Quoi. Voilà. Donc il y a un gros travail de valorisation industrielle à faire. Le fait de construire en bois va entraîner et pas l'inverse, on en est sûr. Et tu parlais d'Espagne, mais on se souvient de Hans-Jürgen Mayer pour le métropole Parasol. C'est cet immense espace public monumental en plein cœur de Séville. Eh bien, il a été obligé de travailler avec les Finlandais parce que les Espagnols n'étaient pas capables de faire ça. Et là encore, il y avait des problèmes à la fois de filière, mais aussi de problèmes de colle sur le bois. Il y a là, sur les expérimentations spatiales, architecturales et autres, on voit bien qu'il y a une certaine complexité. Peu importe. Ce qui est important, c'est que tous ces actes-là sont des actes militants, symboliques, forts. Nous, qui sommes militants cette filière, d'abord, j'aurais jamais pensé qu'un jour un maître d'ouvrage arrive sur et raconte cette histoire, mieux que nous d'ailleurs, et c'est pour ça que ça marche. Cet exposé clair et précis sur le plaidoyer sur le bois qu'on a nous porté pendant un moment face à des gens qui a criqué des yeux en disant bon ok merci. Donc déjà, bon, deuxième chose, grand respect parce que vous avez cité tous vos architectes, ce qui n'est pas le cas de tout. Voilà. Donc on voit qu'il y a, il y a un engagement global. Nous on est très sensible au fait que maintenant la parole est portée par d'autres, c'est-à-dire de manière plus efficace que quand c'est les architectes qui le font, de manière très structurée. Et je pense que voilà, tous les gestes qui vont nous permettre d'évoluer dans ce sens-là vont faire que derrière, la filière va... Évidemment qu'il faut que le bois soit français, que les scieurs reviennent. Moi, je parle du département que je connais bien. Les scieurs, il y en avait partout. Ils sont partis. Donc, on ne sait plus scier. On ne sait plus sécher. On ne sait plus sécher. Les grandes forces de l'industrie autrichienne, c'est qu'elles sèchent à 12% ses lamelles. Nous, on les sèche à 17%, 16%. On essaie de descendre. Le séchage, c'est très, très important. Un bois qui dure, c'est un bois sec. Voilà. Et en plus, le bois sec, il est peu appétant pour les insectes. Donc, c'est très bien. Vous avez deux protections pour le prix d'une. Donc, il faut sécher. Voilà. Des petits trucs, mais on va y arriver. Ça va venir. Je crois qu'il y a une chose fondamentale, c'est que les mentalités ont quand même beaucoup évolué et ont beaucoup évolué en faveur du bois dans une période relativement courte. Alors, il y a toujours les sceptiques, il y a toujours ceux... Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'associer avec Guillaume, après avoir construit ces millions de mètres carrés de bureaux, on dit « Ah, tu vas faire des cabanes en bois ». Donc, dans l'imagerie populaire, c'est des cabanes en bois, ça brûle et c'est vachement mal isolé. La réalité est quand même tout autre. Et je dirais que dans ce domaine, pour le coup, les aménageurs et les politiques ont un petit train d'avance. Parce qu'ils veulent aujourd'hui, après pour certains avoir eu des expériences malheureuses dans le passé sur le bois, notamment sur le satyre, sur le satyre dans le passé, il y a eu quelques... Ou alors du bois mis en façade et qui n'est pas protégé des intempéries et qui s'est terriblement dégradé. D'une façon générale, aujourd'hui, je dois dire que les prescripteurs économiques en matière de foncier sont favorables aux opérations en bois. On l'a vu tout à l'heure sur Réinventer Paris, mais on le voit dans les écoquartiers qui se multiplient partout, d'une façon générale, dans la France entière, avec la caractéristique du bois. Et deuxièmement, quand nous avons commencé à commercialiser des opérations au détail, auprès des particuliers, nous avons été très agréablement impressionnés par l'appétence, l'attirance des particuliers sur ce mode... sur ce produit, à la fois avec une sensibilité écologique forte, mais également aussi, ils sont extraordinairement séduits de pouvoir rentrer dans les lieux dans un délai extraordinairement rapide à un moment où, effectivement, franchement, il faut dire les choses comme elles sont, il y a une crise du logement qui est très forte, quoi. C'est-à-dire que les gens qui veulent se loger, s'ils achètent un logement ou s'ils veulent en louer un, il faut attendre des mois parce qu'il n'y a pas de stock. Donc il est important, là aussi, de voir comme non seulement les jeunes générations, mais d'une façon générale, les particuliers sont très séduits par tout ça. Enfin,
Je crois qu'il y a un chiffre moi, qui m'a stupéfait, mais qui est quand même très très important, qui relate bien ce côté fabuleusement écologique que nous avons avec ce type de constructif. C'est que l'opération Trésor-Angers, que je vous ai présentée tout à l'heure, son bilan carbone est tellement positif qu'il faut attendre 80 années, vous rendez compte, 80 années, pour que la consommation et l'émission de carbone provoquée par le chauffage de l'immeuble fasse que le bilan carbone de l'immeuble devienne négatif. Diable ! Quel effet, quelle responsabilité nous avons vis-à-vis de nos jeunes générations, vis-à-vis de nos enfants ? Il faut qu'on se rattrape. Oui, je voulais juste rebondir, parce que c'est vrai qu'on a une filière, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Il y a aussi un problème qui est celui de la formation, qui est très important. Il y a énormément de métiers. Alors, vous avez peut-être plutôt un peu plus constaté que vous avez peut-être un peu l'impression d'avoir en face de vous une secte. Parce que c'est vrai, quand on commence à se mettre dans le bois, ça commence à devenir un peu un projet de vie. Moi, je suis frappé quand on est à l'étranger, enfin, les fois où je suis allé en Afrique, à chaque fois, je suis tombé sur des ingénieurs bois français jeunes, c'est-à-dire, quand je dis jeunes, c'est moins de 30 ans, formés dans les écoles françaises et qui sont dans les forêts un peu partout, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Donc, on importe beaucoup de bois et on exporte beaucoup de nos talents. Donc, peut-être aussi qu'il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et si il y a cet aspect secte aussi, et si le bois, finalement, a fait une énorme percée sur réinventer Paris. Je pense qu'il y a aussi une raison qui est ce qu'on expérimente aussi ici, c'est le décloisonnement des acteurs. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment tous ensemble, on respecte nos métiers qui sont tous différents, mais par contre, il y a une synergie dans le travail qui fait qu'on est extrêmement efficace face à des questions qui peuvent être posées par des choses comme réinventer Paris ou d'autres. Et ça, c'est un vrai sujet, la disponibilité, notamment des ingénieurs bois. C'est pour ça que, en fait, nous, on a internalisé énormément, une grosse partie de l'ingénierie. Je pense que sur les 23 personnes aujourd'hui qui travaillent chez Udeum, il y en a 17 qui sont des ingénieurs. Là-dedans, il y a plein de gens qui viennent des filières bois, mais c'est très, très difficile et c'est très dommage que dans les grandes écoles d'ingénieurs ou même en architecture, on apprenne aussi peu sur ce matériau et autant sur les matériaux traditionnels. Je vais poser une question à Guillaume Pujol, parce que lui, j'allais dire, il ne fait pas partie de la secte, il vient d'y entrer, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu es devenu un militant, justement, parce que c'est le mot qui a été employé. Donc il y a visiblement, quand on commence à toucher à cette matière, on ne la lâche plus. Est-ce que au pays de la brique rose, là, justement, le bois a un avenir devant lui? Parce qu'on a vu un Philippe Perraudin, un Perraudin qui a travaillé avec la pierre dans du logement social à Cornebarieux, dans la banlieue de Toulouse. Est-ce que le bois a aussi sa chance? Évidemment. Mais je veux dire d'une manière significative. Pas d'une manière sporadique. Aujourd'hui, on sait que, comme un peu partout, ça a été dit, à Toulouse, il y a des écoquartiers, et dans ces écoquartiers, il y a des opérations qui sortent. Là, il y en a une prochainement un peu plus ambitieuse que ce qu'on a pu voir jusque-là, qui sortira dans une grosse ZAC de Toulouse. Après, moi, je ferai pas de prosélytisme pour ce matériau-là, je ferai du prosélytisme pour une architecture pensée, réfléchie, mise au point précisément avec les différents acteurs. Et effectivement, le bois est un matériau qui se prête beaucoup à ça, à l'échange. Ça oblige à l'échange. Après, voilà, il y a des situations. Par exemple, le projet qu'on a fait, la 3D, comme ça a été dit, ça va bien pour faire certains types de programmes, peut-être un peu moins d'autres. Il y a d'autres opérations qui ont été montrées avec une autre technologie, toujours avec du CLT, qui se prête plus à du bureau, de la grande hauteur. Je pense qu'on va aller petit à petit vers cette architecture raisonnée, on pourrait dire. Mais il ne faut pas non plus en faire un... Enfin, je ne crois pas qu'on puisse en faire un objet de culte sectaire. Il faut simplement employer au mieux les matériaux, comme ça a toujours été fait dans l'architecture et dans l'ingénierie. Aujourd'hui, effectivement, le bois...
à retrouver une compétitivité et une qualité qu'on peut utiliser de plus en plus. Ce qui est vraiment culturel, honnêtement, dans notre pays, c'est le béton. Et c'est normal, on a inventé le béton. Monsieur Vicat, en 1830, invente le béton. Ensuite, on invente la précontrainte. Des architectes fantastiques en béton, des ouvrages magnifiques. Le CNIT, vous voyez, le record de portée. Enfin, on est le pays du béton. On est le pays de l'ingénierie du béton. Donc, si culte il y a, c'est celui du béton. Si le bois peut passer de 5 à 10%, ça sera déjà énorme. Mais on sera déjà tous très, très contents. On aura la pression. On n'est pas que le pays du béton. On est le pays du béton. C'est vrai que nous, architectes, on a fait des ouvrages, nos prédécesseurs ont fait des ouvrages magnifiques, il y a une culture du béton, etc. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, mais néanmoins, elle nourrit la construction, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, le bois, l'ingénierie et la construction française, c'est un fleuron international, je veux dire, tout le monde... Et je pense que ce savoir-faire-là est en train de migrer vers d'autres formes constructives, et ça se sent, je veux dire. Il y a une capacité des entreprises françaises à s'accaparer et à se responsabiliser sur ces sujets-là. Vous travaillez, nous aussi, avec Eiffage, qui est historiquement un vrai bétonneux. Ils ont décidé de s'intéresser au sujet, ils le font bien, et je pense qu'à terme, on construira bien en bois, et déjà, on le voit, les Autrichiens ont sans doute une longueur d'avance, ils ont construit dans une échelle qui est bien moindre que celle que l'on fait, nous, ici, et aujourd'hui, ils sont en train de se poser des questions en disant, mais comment font les Français quand ils s'y mettent? Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que, voilà, sur la façon que l'on a d'aborder le projet, nous, architecte, quand on est arrivé, tout était dit. Je veux dire, nos prédécesseurs avaient réglé le problème du béton. Quand on arrivait dans une réunion, les ingénieurs, tout était réglé. Il n'y avait pour nous plus rien à inventer. Quand on est arrivé sur le bois, on est dans une forme de réinvention d'un nouveau mode constructif qui a plein de vertus. Et je pense qu'il faut, par contre, apprendre à le... Vous le disiez très bien, apprendre à le mettre en œuvre de manière différente, à le concevoir différemment. Nous, la maquette 3D, c'est un truc qu'on utilise depuis maintenant 10 ans. Le bureau d'études environnementales qu'on a à l'intérieur de l'agence a été le moyen pour nous de concevoir des projets de manière, plus intelligente et sortir de la table en 2D, mais comprendre ce qu'on faisait. Et ensuite, la préfabrication, elle va directement dans la phase de conception. C'est-à-dire que nous, le BIM, pour nous, l'idée que notre modèle va passer directement dans une plateforme numérique du charpentier, c'est l'objectif. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est que les entreprises de bâtiment ont toutes créé leur division de bois. À l'inverse, quand on se reporte un peu en arrière, alors qu'on avait inventé la structure métallique qui a été utilisée dans le monde entier, structure métallique a été quand même totalement tué par les entreprises de bâtiments en France. Ils n'ont pas fait de construction métallique. Il y a peu de tours qui ont été faits en construction métallique. Très peu de tours qui ont été faits en construction métallique. En revanche, le bois, je crois qu'ils ont parfaitement compris que dans ce domaine, c'était une diversification très intéressante. Justement, vous parlez des tours. J'ai évoqué tout à l'heure Jean Nouvel avec l'hôtel de police à Charleroi et autres. Et puis, on a vu dans vos images que des R+12, 16, 17, on voit bien donc que la question de la hauteur n'est pas vraiment un problème. Alors que, paradoxalement, le bois, on pourrait se poser des questions par rapport justement à cette culture acier dont tu parles, qui est là aussi, dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse. Là, on voit que petit à petit, il y a aussi une force de conviction des architectes, des ingénieurs qui expérimentent sur la grande hauteur aussi, ou disons sur la hauteur, avant qu'elle soit grande. Il y a un concours d'ailleurs mené par Adif Bois avec le soutien du gouvernement pour aider à l'émergence de grandes tours, aider à l'ingénierie, à la mise au point en matière d'ingénierie sur des tours. Et c'est très bien. Nous, on n'est pas... on est moins amoureux des tours qu'on a pu l'être dans notre jeunesse. Je trouve qu'il y a une limite. D'abord, c'est cher. C'est cher à entretenir. Ça consomme quand même toujours beaucoup d'énergie. Je trouve qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire en hauteur. 17 étages, je trouve que c'est bien, quoi. Après, au-delà, ça devient des ouvrages. En tout cas, là encore, la légèreté du matériau a un grand intérêt quand même malgré tout. Parce que quand vous envoyez des matériaux qui pèsent 2500 kg au mètre cube tout en haut dans le truc, c'est quand même des efforts absolument considérables. C'est de la charge absolument considérable que vous faites peser sur les bâtiments. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec
des énormes poteaux au rez-de-chaussée dans les halls de certaines tours. Bon, voilà, nous, on est à 500 kilos du mètre cube. C'est quand même mieux que 2500. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais nous, on est plus passionnés avec Philippe sur des questions de franchissement aujourd'hui. Vous voyez, franchir le périph, franchir les voies SNCF, sur des questions de surélévation, pouvoir surélever des immeubles, ce qui nous amuse en ce moment. Avec Philippe, on voudrait pouvoir surélever des immeubles sans arrêter l'activité commerciale en bas. Ou, voilà, pouvoir surélever un hôtel avec des gens qui dorment en dessous, qui continuent à travailler en dessous, et des concessions automobiles, des trucs comme ça. C'est-à-dire recoudre, faire de la couture sur la ville et sans amener le barnum qu'on amène habituellement voilà, avec des tas de bazars. C'est sans doute oui, un développement. Pour moi, la tour, sans parler tour, nous, une génération qui est arrivée au moment où les règlements d'urbanisme nous ont limités, donc on n'a pas réussi à monter très haut. Et donc le 18 mètres, c'est déjà pas mal. Non, ce que je veux dire, le 18 étages, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue symbolique, encore une fois, et d'un point de vue de l'expérimentation, c'est bien d'avoir fait ça, parce que nous, on travaille sur Strasbourg depuis 2 ans, et on a réussi, grâce à cette espèce d'effet d'un truc technique, à fédérer autour du sujet plein de gens, parce que c'est nécessaire encore. L'IT 249, qui est la problématique du feu, qui nous a pour nous été une catastrophe quand on a géré les premiers projets bois, parce que dans ce texte, il n'y avait rien d'écrit, et les bureaux de contrôle, ils disaient ce qu'ils voulaient, donc un matin ça marchait, le lendemain ça marchait plus. Là, il y a un texte, il y a le CSTB, le FCBA, et plein de gens dont on fait partie se sont mis autour d'une table, on fait des essais dont vous parliez tout à l'heure, on a fait brûler des façades, on a fait brûler des structures, on a fait des chiffres, cet IT 249, il est devenu beaucoup plus clair, pas mal d'ailleurs des dispositions qui étaient demandées. On s'est aperçu qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc on a fait un pas en avant en disant, bon, mais maintenant, ça, on le fait. Donc ce qu'on va gagner dans le développement de la filière bois, c'est qu'on va aller plus vite pour construire, mais surtout plus vite pour concevoir, parce qu'aujourd'hui, on a des freins techniques qui ne sont pas techniques. Les ingénieurs, eux, ils savent faire, à la limite. C'est qu'on a des freins administratifs, parce que tout le monde a un peu peur. Ça, c'est en train de se... Voilà. Et le fait de monter, eh ben, ça a été un moyen de dire, ben, voyez, on y arrive, c'est faisable. Donc voilà. Moi, je pense qu'évidemment, le développement du bois, il est dans plein de sujets, il n'a pas besoin d'aller dans les gratte-ciel. Non, 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 mais... Non, parce que, en effet, en aparté, on disait que dans le bureau, ça ne marchait pas. Et donc là, c'est une question culturelle, que la question des tours en bois de bureau ne serait pas une solution ou ne se vendrait pas ou... Non, 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 c'est très possible. On vous a montré d'ailleurs des beaux intérieurs de bureaux très sympas sur lesquels on bosse en tuant le faux plafond, parce qu'on a des énervements de jeunesse, et le faux plafond. Je trouve que le faux plafond, c'est dur à vivre, c'est plein de poussière. Voilà, moi, je suis contre le faux plafond. Donc, je voudrais voir le matériau directement. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas de faux plafond ici. Voilà. Donc, voir le matériau directement, essayer de se débrouiller, d'être intelligent avec la technique pour ramener les questions de ventilation, les questions de lumière, etc., un peu différemment. Donc on travaille là-dessus sur les bureaux. Les bureaux se prêtent très très bien à l'environnement bois. Il faut faire attention à l'acoustique, comme toujours. L'acoustique, c'est ce qu'on se dit toujours. On fait vachement. Les tours, alors la tour, oui, parce que d'abord la limite de l'IGH est différente. Donc on arrive très bien dans l'IGH, même si la réglementation, il y a une nouvelle instruction qui permet de faire des IGH en bois aujourd'hui. Et on va vers une ingénierie pompier beaucoup plus au cas par cas, à l'anglo-saxonne, plutôt qu'un certain nombre de normes. On était interdit de séjour, pour ceux qui s'intéressent, on était interdit de séjour dans les IGH parce que, à cause du potentiel calorifique du matériau. Donc on n'avait pas le droit. Bon, les choses sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, on peut faire des IGH en bois. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Et puis, il y a des discussions à avoir avec les services des pompiers. Mais ça fonctionne. Non, non, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. L'opération pour Adoma à Toulouse, on voit bien que tu as parlé d'opération tiroir. Ce qui veut dire qu'on est presque là dans une question de l'architecture de l'éphémère, où on pourrait imaginer que tout ça va être démonté un jour, que l'espace public va reprendre ses droits, et on va déplacer, on va construire ailleurs, le démonter, réutiliser, tout ça dans une logique complètement vertueuse. Est-ce que vous avez été approchés les uns ou les autres pour des questions de résidence étudiant dans la même démarche, là, justement, de construire vite parce qu'il y a des similitudes, quand même, puisque toi, c'était du T1. Oui, c'est ça. On va faire un appel du pied ce soir. Effectivement, il y a moyen, et je crois même que certains maîtres d'ouvrage s'y intéressent
assez fort, y compris dans notre coin. Ça frémit, en effet, sur ce genre de... Peut-être expliquer le temps de construction de ça, oui. Parce que c'est quand même le chiffre qui vous manque est quand même un peu impressionnant. Il a parlé de 4 mois tout à l'heure. Oui, oui. 4 mois au total, oui. Avec, évidemment, une phase amont d'études et de fabrication qui est même un peu plus importante que la phase chantier. Mais pendant quelques mois, on a eu juste quelques petits plots en béton et puis une cage d'ascenseur qui, là aussi, aurait pu être réalisée en bois. Bon, il s'agissait de rassurer le bureau de contrôle. On a eu ça pendant quelques mois, et puis ça attendait que les modules arrivent, et quand ils sont arrivés, en 3 semaines, ils étaient tous montés. 15 jours ouvrés, et vous avez l'intégralité des 50 modules qui ont été mis en place. Bien, on va peut-être prendre, puisqu'il y a beaucoup de jeunes étudiants et autres, justement, qui demain seront architectes, ils veulent peut-être poser des questions, prendre la parole. Qui voudrait ouvrir le feu ? Mademoiselle. Bonsoir. Donc moi, j'ai 2 petites questions qui sont reliées entre elles. La première, c'est quelle serait l'espérance de vie d'un bâtiment qui est construit en CLT ? Et donc, qui rejoint la deuxième, quel avenir pour le CLT une fois qu'on démonte le bâtiment ? Parce que vous parliez tout à l'heure de grosses réserves en carbone. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut le réutiliser ou est-ce qu'on doit le brûler? Alors, à la fin ? En fait, l'espérance de vie, elle est infinie. Ariel, hélas, vous a sucré un des slides que j'adore montrer, qui est les grandes charpentes des cathédrales, qui souvent ont 1000 ans, et qui, pour la plupart, n'ont jamais subi de traitement chimique, etc. C'est-à-dire que le bois, à partir du moment où il n'est pas soumis à des variations d'humidité, le bois a une durée de vie absolument éternelle. Et vous savez tous que les sarcophages en bois des pharaons sont encore en place de 3000 ans après. Donc il n'y a pas de problème. Vous savez aussi qu'un immeuble haussmannien de la génération 1870 est un immeuble finalement très largement en bois aussi. Donc vous habitez, pour certains d'entre vous, déjà dans du bois sans le savoir, puisque M. Haussmann a imposé la façade en pierre de taille, mais que les gens n'avaient pas de sous pour se payer de la pierre de taille partout, et que donc vos planchers, quand vous êtes dans un haussmannien, les planchers, les charpentes, tout ça est en bois. Donc il n'y a pas de durée limite de vie. C'est un matériau qui, comme tout matériau de construction, se surveille. Donc il faut faire attention. Il y a des questions d'assec, il y a des questions, etc. Mais ce n'est pas un matériau dangereux. Hein. C'est un matériau qui est durable, surtout s'il est bien sec, comme je l'expliquais tout à l'heure. Deuxième question sur la question de la recyclabilité du matériau. Vous avez un matériau d'abord qui se démonte très facilement, donc ça se démonte aussi facilement que ça se monte. Hein. Et puis, comme les tenons et les mortaises de Guillaume restent en place, on pourrait démonter Toulouse, ramener le camion. Et puis, voilà. Donc, il n'y a pas de sujet de démontabilité ni de transport. Les voiles peuvent être réutilisées pour des matériaux de construction, ça c'est possible. Après, il y a toutes les filières de recyclage du bois traditionnel, donc qui permettent ensuite de refaire, alors faire de l'aggloméré, on peut faire du papier, on peut faire des tas de choses avec, et puis jusqu'à le brûler, et à ce moment-là, le C retrouvera la molécule de O2 et remontera au ciel. Mais à partir du moment où ce n'est pas de la ressource carbonée qui est extraite du sol, mais qui a été capturé, on est quand même dans des bilans carbone qui restent extrêmement favorables. Juste un petit clin d'œil, parce que avec Philippe, en fait, on s'est aperçu que les Autrichiens nous facturaient les vides. Donc, quand ils nous faisaient une fenêtre, ils nous facturaient l'intérieur de la fenêtre. Alors, on leur a dit, écoutez, puisque c'est facturé qu'on l'achète, vous allez nous les livrer. Et donc, on se retrouve avec des tas de chutes. En fait, et avec ces chutes, on fait des escaliers, on fait des morceaux de meubles, on s'amuse avec. Donc, si vous venez chez nous, vous verrez, il y a des tables, on fait des petits ateliers entre jeunes avec Philippe, avec la perceuse, pour faire des meubles en CLT, en chute de CLT. Voilà. Donc, tu voulais intervenir ? La réutilisation est infinie. Oui, en fait, c'était un petit peu sur la même idée. C'est-à-dire que ce qui est aussi fascinant avec le bois, c'est que ça va vraiment de la structure à l'échelle du mobilier. Et qu'effectivement, avec les chutes, avec ce qu'on récupère, on peut toujours le transformer pour le réadapter, le recouper, le retravailler. Il ne faut pas oublier que IKEA consomme 1% de la forêt mondiale annuellement, enfin du bois qui est produit.
Donc voilà, donc tout le bois qu'on peut réutiliser pour aller faire des portes de placard, des plans de travail, de cuisine et des choses comme ça, c'est autant de prix. Mademoiselle. Bonsoir. À propos justement de la réutilisation de ce CLT, on sait qu'il contient beaucoup de colle, certes formaldéhyde, mais est-ce que justement ça n'empêche pas cette réutilisation et ce recyclage ? Alors, oui, d'abord il faut quand même être très direct avec vous. Aujourd'hui, comme le CLT il a 10-15 ans, il n'y a pas de filière aujourd'hui, il n'y a pas une industrie du recyclage du CLT, elle va arriver au fur et à mesure, il va y avoir des produits à recycler. Alors sur le recyclage du CLT, il y aura en effet un certain nombre de procédés pour séparer la partie colle qui est sans formaldéhyde. Nos amis de Stora travaillent sur des colles nature. Le problème, c'est qu'on a moins de recul. Alors, il faut faire gaffe avec la colle, hein, parce que si jamais ça ne marche pas, après, c'est un peu embêtant quand même. Donc, nous, on fait un peu attention. Surtout que quand même, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aimeraient bien que ça ne marche pas, mais si. On n'a pas que des amis quand même. Donc, on fait super gaffe à ce qu'on fait. Donc, on fait très attention. Mais sur cette partie de colle, ouais, il faudra la séparer, en effet, du matériau. Vous avez raison. Et c'est possible. Hein, ça a été testé, retesté. C'est possible. Une des limites qu'on a pour la réutilisation du CLT, quand même, avec les vides où on fait les meubles, c'est que comme nos éléments construits de CLT sont pour des immeubles qui font en moyenne 4-5 étages, donc c'est 5 plis, c'est assez lourd. Voilà, absolument. Hein, c'est assez lourd, donc... Ça limite quand même un petit peu l'utilisation. Et juste un petit mot sur les cols. Oui. Je pense que, sans vouloir être naïf, hein, c'est un problème et c'est géré. Mais la filière bois, la filière bâtiment se soucie plus de ça que celle de l'industrie de l'ameublement dont vient de parler Nicolas. Nous, on a fait des mesures avant et après. Le COV, c'est IKEA. Hein. Donc, et eux, pour l'instant, tant qu'on ne leur met pas des normes, ils continuent tête baissée à faire de l'aglo. Cette odeur, quand vous déballez un meuble IKEA, c'est du COV. Hein, c'est même pas... voilà. Alors oui, nous, la colle, elle est vraiment dedans, hein, comme vous l'avez compris. Elle est complètement enfermée. Elle n'est pas en contact avec l'air. Donc, il y a assez peu d'émissions. Puis, il n'y en a pas beaucoup. Merci. Est-ce qu'on presse ? Alors moi, je voudrais bonjour. Je suis étudiant à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Donc je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'enseignement. Est-ce qu'on est bien enseigné en bois ? Oui, on a eu notre partiel aujourd'hui pendant une heure et demie. Voilà, on a dû composer sur le bois, donc c'est très bien enseigné. Bravo. Et deuxième chose, vous avez dit qu'il y avait pas de scierie en France, enfin pas beaucoup qui étaient assez développés, parce que finalement, il n'y avait pas d'obligation de construire en bois. Et vous avez aussi J'ai pas dit ça. Moi, je suis contre toute forme d'obligation. Bah, en fait, vous avez parlé de Georges de Haussmann qui a obligé à Paris à construire en pierre en façade. Et en fait, le truc, c'est que Haussmann, il avait l'appui de l'empereur pendant 30 ans. Donc, c'est pas négligeable. Il a fait passer des lois qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Et donc, je voudrais dire une citation qui est d'Haussmann, qui est « Oui, monsieur, vive l'empereur qui veut faire de Paris la première ville du monde, une capitale digne de la France, et c'est en 1853. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, au regard des lois qui sont aujourd'hui, instaurer, on va dire, une loi qui oblige la construction en bois. Et je pense que c'est l'une des solutions pour redémarrer l'industrie qui apparemment peine à se faire connaître. Alors, quand je me suis lancé là-dedans dans le bois, il y a 2 ans et demi, il y a beaucoup de gens qui pensaient que, en effet, on allait militer pour taxer... les matériaux, voilà, enfin, par défaut, ou alors obligés. Il y avait même eu une loi à un moment donné, tu te souviens, qui d'ailleurs a échoué devant le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État a dit que le législateur n'a pas le droit de discriminer entre plusieurs matériaux. Hein, il y avait, tu te souviens, des décrets qui avaient obligé à mettre du bois dans la construction. Donc exactement ce que vous dites. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ce matériau a suffisamment de qualité en lui, si vous voulez. Et moi, je vois ça avec mon œil de promoteur multimatériaux, hein, à l'origine, en tout cas, a suffisamment pour, franchement, gagner des parts de marché et devenir un matériau d'usage commun sans qu'on ait besoin d'obliger les gens à en faire à contre-cœur ou quoi que ce soit. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis tout à fait pour l'urbanisme. C'est-à-dire, je pense que faut qu'il y ait des normes d'urbanisme. Il ne faut peut-être pas un urbanisme à la Haussmann, qui était quand même un urbanisme un peu violent. Je pense que depuis, on a fait quelques progrès et un peu monolithique. Mais moi, je suis pour l'urbanisme. Mais je peux vous assurer que quand, avec Philippe, on parle
aux urbanistes, parce qu'aujourd'hui, nous, on achète nos terrains à des sociétés d'économie mixte qui sont des aménageurs avec des urbanistes, etc. Ils sont très séduits par cette démarche, par cette innovation. Et donc, je crois que ça va fonctionner sans redevenir haussmannien de ce point de vue-là. Moi, je pense que nos vrais enjeux, c'est beaucoup plus comment continuer à raccourcir les délais au niveau de la construction, notamment sur le second œuvre. Comment arriver à marier une anticipation et des délais raccourcis tout en étant, en gardant un produit suffisamment souple pour être adapté en fonction des besoins et des goûts du client. Et c'est vraiment ça nos enjeux. Nos enjeux, c'est être vraiment encore plus performant, quoi. Et puis baisser, bien entendu, nos prix de revient. Arriver à baisser nos prix de revient. Arriver à baisser nos prix, arriver à baisser nos délais, tout en maintenant un niveau de qualité irréprochable. C'est ça nos vrais enjeux. Ouais. Moi, je pense aussi que notre mission, elle est de prouver tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de le faire, plutôt que de légiférer, ce qu'on a fait maintes et maintes fois sur divers sujets, que les bureaux d'études, constructeurs, élus passeront longtemps leur temps à essayer de contourner. Moi, je pense qu'il faut être sensibiliser les gens, avoir une démarche qui est constructive et puis prouver que dans quelques années, je pense assez rapidement, on a un truc qui est vraiment malin, quoi. Mais faire des lois, c'est terrible. C'est très français, je sais, mais il faut absolument... Moi, je voudrais juste faire un commentaire. À Strasbourg, on a commercialisé. Bouygues Guimauve, ils étaient comme ça. On a fait une grande soirée de lancement. Ils nous ont dit, tu dis pas un mot sur le bois. Je dis, mais quand même... zéro, quoi. Alors, biosourcé, machin, j'ai passé la soirée à... Et puis à la fin, tout le monde là, super content. Ils sont... Et c'était des gens qui venaient acheter. Hein. Ils sont venus me voir en me disant, mais alors, le bois, ce sera quoi comme bois? En fait, il y avait eu un article dans la presse qui parlait de cette première construction bois. Tout le monde était au courant. Et les gens qui étaient là, ils étaient convaincus. Ils étaient contents de venir. Donc... Alors, ils flippaient, oui. Bonsoir, excusez-moi, j'avais une petite question concernant, si on parle d'économie de la construction, la question des assurances, autant au niveau du chantier, de la mise en œuvre, des matériaux choisis, je pense au DTU et vraiment économie de la construction, et aussi en termes d'exploitation, si on, c'est pas les bons termes, mais bon, si on vend le produit à un bailleur, comment ça se passe après au moment de la location, si on est sur une structure aujourd'hui qu'on dirait non traditionnel puisque non maçonné. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des choses qui jouent à ce moment-là? Alors, vous pensez bien qu'on était confronté à ce problème lorsqu'on a fait notre première opération de bois. Eh bien, je peux vous dire que les compagnies d'assurance et le courtier que nous avons obtenu exactement les mêmes conditions, les mêmes garanties, le même coût financier d'assurance que pour une opération, je dirais, traditionnelle en béton. Donc, on n'a absolument aucune différence. Alors, il y a eu un gros travail, hein, parce qu'on les a emmenés, on leur a montré des trucs. On les a convaincus. On les a emmenés à l'étranger, on leur a montré que c'était solide. On a fait de la formation auprès des bureaux de contrôle sur le CLT. On avait écrit le manuel, d'ailleurs, vous pouvez l'acheter. Ça aussi, c'est un bouquin à acheter. Widéum a écrit un petit bouquin qui s'appelle le CLT et aux éditions du Moniteur. Voilà, c'est... Donc on a fait un gros, gros, gros boulot pour décontracter tout le monde, parce qu'au début, tout le monde nous disait, attendez, bois égale sinistre, bois égale problème de feu, bois égale problème d'humidité, vos panneaux vont prendre l'eau avant d'arriver, ça va être une catastrophe, etc. Donc au début, on a un peu essuyé les plâtres, enfin c'était du bois, mais c'est pas du plâtre, mais on a un peu essuyé les plâtres, puis après, maintenant, aujourd'hui, ouais, les choses sont rentrées très largement dans l'ordre. D'autant plus que je crois qu'avec nos expériences respectives immobilières, ça a aussi joué pour favoriser le fait que nous bénéficions des mêmes conditions de garantie qu'une construction classique. Et sur l'exploitation? Sur l'exploitation, il n'y a pas de sujet non plus particulier. Au contraire, je dirais, sur l'exploitation, on est à des charges inférieures. Et là aussi, nos clients ont des assurances tout à fait classiques, hein, sur les opérations. Et on est excellent sur un certain nombre de critères, notamment l'étanchéité à l'air. Ça fait partie des bonnes surprises qu'on a eues. On ne s'attendait pas à avoir des coefficients sur l'étanchéité à l'air aussi importants. Pour être plus précis là-dessus, encore, on est entre 25 et 30% de moins en termes de coût de chauffage. Voyez.
parce qu'il y a une étanchéité à l'air qui est quand même extraordinairement performante. Alors on est très 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 vigilant sur l'isolation acoustique, hein, parce que là c'est aussi l'un des grandes critiques classiques avec le fait que ça brûle sur l'isolation acoustique. On a des planchers, il faut le reconnaître, légèrement plus épais qu'un plancher classique, mais on fait des relevés acoustiques dans chaque appartement en cours de construction et on est vraiment très très bien en termes de... Là aussi, si on prend les bonnes précautions, on peut vraiment être absolument très bon. Oui, nous, enfin, sur l'opération de Philippe de Girard, cet aspect acoustique, on l'avait vraiment découvert. Bon, ça a été vraiment la grosse gageure technique à mettre au point sur l'isolement acoustique. Par contre, ce qui était assez impressionnant après, c'était la qualité acoustique dans les logements. Parce qu'en fait, des logements en bois, quand vous habitez dans du bois, c'est comme si vous habitiez dans un instrument de musique. Donc vous parlez, c'est super beau, ça résonne, c'est un peu souple. Et donc à Philippe de Girard, pour l'anecdote, il y a un appartement avec un musicien, donc il fait de la musique toute la journée, de la guitare électrique, lui il est super content parce qu'il n'a jamais eu une acoustique pareille dans une salle de répétition. C'est vraiment magnifique. Et puis les voisins ne savent pas qu'il fait de la musique. Moi je crois qu'une partie de l'architecture, il y a des étudiants d'architecture, une partie de l'architecture, ça va devenir, l'avenir de l'architecture, c'est le polysensoriel. Et le son... C'est partie des choses que les architectes connaissent mal, maîtrisent peu. Le béton, les matériaux verriers sont des matériaux à très très forte densité. Le son rebondit. Alors, ça fait partie des choses qui parfois ne sont pas conscientes. Ça fait partie des fatigues qui peuvent être inconscientes. En tout cas, le bois, c'est du velours. Donc le bois, vous avez une partie du son qui va rentrer dans le bois, une autre partie qui va être réfléchie. Et ce n'est pas pour rien qu'on utilise le bois dans les philharmoniques. C'est parce qu'on a un confort qui est absolument inouï. Et les gens qui aujourd'hui habitent dans du bois disent, alors ils ne savent pas dire pourquoi, mais ils disent, je suis très heureux, je vis mieux que dans un univers minéral, je me sens mieux, ma famille est apaisée. Donc on a des tas de... C'est curieux, mais on a des tas d'études sociologiques là-dessus. On n'arrive pas à expliquer pourquoi. On n'arrive pas à dire pourquoi, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à matérialiser la raison. Mais la réalité, c'est que les gens le savent. Les gens savent quand ils sont dans des chalets qu'il y a ces phénomènes-là. Il y a aussi un phénomène formidable, c'est le fameux contrôle de la température. Vous savez qu'on est dans un pays qui est tombé amoureux de l'inertie. C'est pour ça que dans la RT 2012, c'est pour ça que nous, on recolle un petit bout de béton pour refaire un peu d'inertie, pour être encore mieux dans la RT 2012. Alors, l'inertie, c'est quoi? C'est que simplement le matériau, je dis pour ceux qui ne sont pas architectes ici, donc les matériaux, notamment le béton, traditionnellement, est une éponge à calories ou à frigories. Et voilà. Sauf que à partir du moment où vous êtes dans des occupations qui sont des occupations intermittentes, vous n'avez pas intérêt à avoir d'inertie. Pourquoi? Parce que si vous avez de l'inertie, vous allez mettre une demi-journée ou une journée à chauffer votre appartement. Dans nos matériaux, les matériaux bois, sont des matériaux extrêmement isolants, 15 fois plus isolants que le béton, à peu près à même taille, et des matériaux avec peu d'inertie. Et donc vous allez pouvoir avoir un contrôle de la température qui est quasiment instantané. Si vous mettez une calorie dans l'atmosphère d'un immeuble en bois, cette calorie ne va pas être absorbée par le bois, elle va rester dans l'atmosphère. Et un ingénieur du CSTB me disait, avec le bois demain, on chauffera les hommes au lieu de chauffer les appartements. C'est-à-dire au lieu de chauffer les murs, pour faire très simple, on chauffera les personnes à l'intérieur. Et ça nous amène à des recherches qu'on fait avec Philippe, notamment sur les hôtels, pour avoir en fait des systèmes de chauffage. Parce que le taux d'occupation horaire d'un hôtel, c'est 20%. Ils sont soit pleins à 70%, sauf que les gens restent 7 heures dans la chambre d'hôtel, quoi. Donc la chambre d'hôtel, elle est vide. Pourquoi est-ce que vous voulez chauffer une chambre d'hôtel qui est vide? Alors, évidemment, si vous êtes dans l'univers du dogme de l'inertie, voilà un dogme, le dogme français de l'inertie, très français, hein, ça n'existe pas beaucoup ailleurs. Ça a dû être mis par des gens qui en avaient intérêt, probablement. Mais en tout cas, sur cette... Un hôtel, il n'y a pas besoin de le chauffer quand les gens ne sont pas là. À partir du moment où vous avez des matériaux, si vous chauffez l'atmosphère, vous êtes en univers bois, vous chauffez une demi-heure avant que la personne arrive, ou voire 20 minutes avant que la personne arrive, et vous avez 20 degrés dans la pièce. Et le reste du temps, vous ne chauffez pas. Comme les voitures qui s'arrêtent au feu rouge ou les moteurs s'arrêtent au feu rouge. Oui, nous, on a fait un petit voyage au Japon. Là, on vient de rentrer, on était vachement surpris par ce concept-là. Les Japonais chauffent l'homme et pas le bâtiment. Bon, eux, ils sont arrivés à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils s'isolent pas du tout. Mais
dans les faits, ça paraît, pour nous qui sommes arrivés oui. là-bas avec notre œil de machin, ils construisent en bois, on dit, mais isolant, il est où? T'occupes. En fait, ils sont dans une logique où ils chauffent instantanément, ils s'en vont, la pièce devient froide. Je pense que quand on regarde les courbes, à consommation, on doit être quasiment égal. Mais nous, le label français, le label européen Passive House, qui nous a été imposé par les Allemands, il est conçu pour une maison qui est occupée toute la journée. Parce que les femmes ne travaillent pas en Allemagne, c'est culturel. Et donc, on a conçu ce label. Chez nous, il est totalement inadapté. Totalement inadapté. C'est-à-dire que la logique aujourd'hui des usages, c'est que les gens habitent, puis vont travailler, et la maison, elle est vide une partie de la journée. Quoi. Donc il faut s'adapter à ça, au mode de vie et à la capacité qu'on a d'habiter de manière culturelle. Voilà. Guillaume Poitrinal a parlé tout à l'heure des vertus du bois, justement, pour le philharmonique. Je voudrais me rappeler d'une des plus grandes références de Patrick Bouchain à Évian, la Grange du Lac, qui a été très expérimentale, là aussi, sur un petit objet, d'ailleurs, le royal, puisqu'on parle d'hôtel. Mais il y a là un travail absolument extraordinaire avec un travail déjà sur la réutilisation. Donc voilà, je le dis pour les étudiants qui sont là, parce que c'est une vraie référence pas très connue, mais très importante. Et moi, on a travaillé sur un projet avec Patrick Bouchain. Et en plus, lui, il a toute sa filière. Il arrive avec son charpentier, son truc. C'est absolument formidable de le voir à l'œuvre. Et ça a été un pionnier sur la construction bois. Autre question? Non, c'est pas une question. C'est pour rebondir sur ce que vous dites quand vous parlez d'acoustique et de thermique. Sachez que c'est enseigné en école d'architecture, mais pas toujours par les bonnes personnes. Mijenovic, voilà. Si tu m'entends. Voilà. Sur l'acoustique, c'est vrai que c'est un sujet... Je vous défie quiconque ici de m'amener dans un restaurant parisien dans lequel il y a une isolation acoustique phonique, j'entends, pas de bruit d'impact, mais on s'entende pour parler. Je veux dire, c'est une problématique que personne ne prend en compte aujourd'hui. Le bruit d'impact, il est normé. On va nous prendre la tête avec cette histoire de bruit d'impact. Mais sur la réverbération, sur la capacité qu'a la construction, tout le monde s'en fout. Y a-t-il une autre question ? On va travailler ensemble là-dessus. Oui ? Tout là-haut. On va faire peut-être une chaîne de micro pour que ça monte jusque. Bonsoir. Il y a un micro. C'est bien. Pardon. Pas mal, elle a capté le micro. On vous le passe ensuite. Bonsoir. Je me permets aussi de vous poser une question. En fait, c'est plutôt concernant la résistance, enfin les limites de la résistance du CLT. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas les planchers bas d'opération, les fondations en construction bois? C'est une limite structurelle? Non, bah d'abord, bon, c'est une habitude. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette idée que ce matériau ne doit pas être soumis aux variations d'humidité. Et on se dit, en fait, sur le niveau des fondations, on a quand même beaucoup plus de risques d'infiltration, etc. Donc tout le monde a pris l'habitude... Nous, on ne sera peut-être pas les pionniers qui iront contre ça, de dire, voilà, on fait les fondations en béton. En plus, ça fait plaisir à Lafarge et puis à tous nos amis du béton, à Ulcim, etc. Donc, on est quand même des amis du béton. On voudrait qu'ils fassent du béton bas carbone, hein, si c'était possible. Donc, j'ai lu ça, là, que Air Liquide avait investi dans une boîte pour faire du béton bas carbone. Ils s'y mettent, donc on n'est pas complètement réfractaire au béton, mais c'est mieux de le faire. Par contre, voilà, une fois qu'on a les fondations, on s'appuie dessus et on construit à la fois massif et léger. Mais juste pour répondre, je pense qu'il faut être militant, mais pas aberrant. Nous, on a construit Philippe de Girard 100% sec, c'est-à-dire que les planchers sont faits en caisson, et dessus, on a un système de fer nacelle, de billes d'argile, etc., pour ne pas couler de béton, pour être, disons, démonstratif sur le sujet. C'est pas, avec du recul et tout ce qu'on a fait depuis, c'est pas la meilleure méthode. Elle est compliquée à gérer, il faut faire attention, la mise en œuvre, etc., les incorporations, etc. Sur le plancher bas du rez-de-chaussée, on a fait une maison, pareil. On a voulu, on a soulevé, on a fait un vide sanitaire ventilé, on a fait un plancher en CLT. L'expérience dit que dans ces deux cas, ben, c'est trop compliqué. Il ne faut pas devenir fou. On a une industrie qui fait ça très bien. Pourquoi ne pas utiliser le matériau adapté au bon endroit, au même titre que du poteau-poutre béton de temps en temps, parce que ça a une intelligence. Et qu'une façade légère, ça a vachement de sens. Enfin, quelques poutres acier ou quelques poutres béton, on ne s'interdit pas d'en mettre. Hein. Donc on n'est pas dogmatique. Pour reprendre l'expression un rez-de-chaussée traité en béton, ça a quand même une capacité de transformation d'usage dans le temps assez géniale. Enfin, en témoigne un peu l'endroit où on est ici.
qui serait beaucoup plus difficile à obtenir en bois. Sur la cage escalier, je ne suis pas convaincu. Alors la cage escalier, je pense à la cage escalier, le débat est ouvert. Hein. Le cage escalier en bois. La problématique du béton sur la cage d'escalier, vous l'avez expérimenté, nous on l'a étudié, on ne l'a jamais réalisé, c'est que le contreventement, quand on commence à avoir une... il est galère à faire, parce que le mariage des deux logiques, il est complexe. Donc nous, on a préféré, en tout cas à Strasbourg, partir sur 200% bois en se disant, au moins là on est cohérent. Je pense que vous avez raison. Les ascensoristes ont fait le job, et il est là. Un ascensoriste sur lequel on peut mettre nos cages dans du bois. Bon. Et c'est déjà bien. Merci. Donc bonsoir. J'avais une question concernant en fait le prix de ce bois. Vous avez annoncé donc qu'il était 2 à 5% plus cher. C'est la construction totale. Hein, voilà, c'était ma question. Totale, ouais. Si vous voulez, la contribution du bois dans le coût de construction, c'est 200 euros du mètre carré à peu près. Hein, à peu près le coût. On a un coût de construction qui varie entre, je dirais, selon les immeubles, entre 1200 et 1500 euros le mètre carré. Voilà, à peu près. Et quand on parle de 2 à 5% plus cher, c'est par rapport à ces 1200 à 1500 euros le mètre carré. Sur Ries-Orangis, là, l'opération de 8800 mètres carrés, 140 logements que vous avez vu, Eiffage avait fait le calcul, par intérêt d'ailleurs, hein, du même ouvrage de Villemotte, réalisé en béton, et ils avaient dit ça aurait coûté 60 euros du mètre carré moins cher. Voilà, par rapport aux 1300... dont on parle. Du coup, j'avais une question concernant en fait le fait que vous parliez du chauffage, qu'à ce moment-là, on réduit de 30% donc le besoin de chauffage. Et du coup, est-ce que sur la durée, en fait, cette perte en fait d'argent, est-ce que sur la durée, en fait, on la regagne pas? On redonne du pouvoir d'achat. C'est pas une perte d'argent, hein, c'est une économie, hein, en fait. Il y a un pionnier du CLT qui est Jean-Marc Grémel, qui est un bailleur social d'ailleurs, qui avait fait une des premières opérations en CLT. Alors lui, il y allait quasiment sans les avis techniques, sans rien. Un vrai pionnier, comme il en existe parfois dans le logement social, il faut leur rendre hommage. On n'oserait pas faire ça, probablement nous. Mais lui, il disait assez simple, moi avec les économies de chauffage, je rends un SMIC par an aux gens. Aux habitants, à mes locataires, à la fin de l'année, c'est 1000 euros d'économie sur l'année, c'est un SMIC de plus. Donc on arrive très vite à des choses qui ne sont pas négligeables, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les locataires, c'est de l'économie pour tout le monde, c'est moins de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, nous on est très très pour, évidemment, être aussi vertueux, à la fois du point de vue de l'empreinte carbone des matériaux, mais aussi l'empreinte carbone. C'est pas parce qu'on dit il faut regarder les matériaux et qu'on dit attention, notamment sur l'inertie, si pour faire de l'inertie on rajoute plein de béton qui fait plein de carbone, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on dit il faut faire attention aux matériaux que dans le même temps il faut pas faire attention à l'exploitation. Il faut être bon sur les deux. Et vous savez, les acquéreurs nous demandent systématiquement une évaluation, une estimation sur le coût des charges. Hein. Encore plus d'ailleurs dans le bureau. Hein. Sur le coût, juste pour essayer de... c'est pas des questions récurrentes, hein, auxquelles on... c'est pas un coût figé. Je veux dire, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est une filière qui est en train de se structurer, tant de la provenance des bois que dans la mise en œuvre. Nous, on le voit bien. Quand on fait des réunions techniques avec tous les interlocuteurs autour du pied de la table, expliquer à un plombier qu'il intervient demain alors qu'il n'y a rien, il nous regarde en disant « non, mais c'est pas vrai ». Il y a toute une mécanique à mettre en marche pour essayer de clarifier la façon de construire et la modifier, parce qu'elle est réellement différente. Et ça, quand ça se sera bien calé, c'est-à-dire de la source jusqu'à la production, là, on a quelque chose à gagner, à part sur nos honoraires, bien sûr. J'ai une autre question. Là, je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas vu la présentation des architectes. J'ai juste vu votre présentation et j'ai l'impression qu'il y a quand même un nouveau dogme dans la construction bois, c'est le CLT. Comme si c'était, en tout cas dans ce que vous faites vous, Oudéum, comme si c'était la solution unique qui permettait de résoudre tous les problèmes. Et j'ai le sentiment quand même que c'est un peu le travers qu'on connaît avec le béton, qu'on retrouve avec le CLT.
dans le sens où le bois, l'intérêt du bois, c'est aussi la frugalité, c'est utiliser le minimum de matière au bon endroit. Et je n'ai pas le sentiment que le CLT réponde vraiment à cet objectif. Dans le CLT, il y a beaucoup de bois. D'accord, voilà. Et clairement, il y a un choix derrière ça. Ce n'est pas tellement le choix du CLT en lui-même, c'est le choix du bois massif. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait le tour de cette industrie il y a 3 ans, la France avait choisi la voie de l'ossature bois. Donc chez nos amis de Bouygues, vous avez une filiale qui s'appelle Ossabois, etc., etc. En disant, je veux faire des poteaux, des poutres, et puis quand on va taper sur les murs, c'est du BA13, voilà, avec un isolant derrière. Et en fait, c'est une construction bois sans bois, donc ou avec peu de bois, l'ossature. Comme une maison à colombage, en fait. Voilà, comme une maison à colombage. Ce qui a une certaine... Moi, je me suis dit, ce qui va le français, il y a notre histoire du film des trois petits cochons, il aime bien quand c'est costaud. Et il aime bien taper dedans, et quand ça sonne creux, ça pose des problèmes. D'abord, ça pose des problèmes dans le temps, excusez-moi. Donc, vous avez une économie de matériaux, mais... Ça pose des problèmes dans le temps. Il y a un vrai problème de contreventement, donc vous êtes limité dans le nombre d'étages, puisque vous ne pouvez pas limiter. Le stature bois se limite à 3 étages. Donc après, 5, on fait jusqu'à 5. Moi, j'ai toujours pensé que ce qu'allait réconcilier les Français avec le bois, c'était le bois massif et notre capacité à montrer ce bois et juste à dire aux gens, tapez dedans, regardez comme c'est costaud. Et donc nous, dans les bureaux de vente, vous avez un gros morceau de CLT, les gens, ils tapent dedans. Ils disent, ah ouais, c'est costaud, ouais. Tu vois, tu tapes dedans, ça fait tout, 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 comme ça, là, tu tapes dedans, là, 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 ça, c'est costaud. Donc, et là, c'est du marketing, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le truc, c'est du marketing. Le CLT propose ça, mais attention, le CLT va bientôt être dépassé. Donc, il y a des tas de trucs, d'ailleurs, qui existent maintenant dans le truc, il y a le LVL, ouais, il y a des tas de trucs qui sont en train d'être inventés aujourd'hui par les industriels, qui vont faire que... LVL, faut traduire pour les étudiants. Alors là, je vais dire LVL Light, je sais plus quoi, il y en a un truc. Bon, c'est du CLT encore plus costaud. Vous avez plus costaud parce que Google. Parce que les plis, voilà, parce que les plis sont encore plus étroits et donc il y a encore plus de force contraire parce que ce qui fait la force du CLT, vous avez compris, c'est d'inverser ses plis puisque le bois est très costaud dans le sens où il monte, hein, c'est comme ça, puis dans l'autre sens, il est moins costaud. Donc on croise ses plis pour créer en fait une force, une rigidité qui reste très souple, mais en fait une capacité structurelle qui est très, très, très équivalente finalement à celle de matériaux traditionnels de type béton armé. Et donc on va continuer à avoir des évolutions de ce matériau. Avec Philippe, on est quand même convaincu que l'avenir est quand même au massif, quoi. Enfin, en tout cas, pendant cette période de conquête un peu culturelle hein, dont on parle, je pense que le massif va être très important. Il y a un sujet pratique, hein, c'est qu'on construit, nous on est un promoteur de bureaux et de logements collectifs et que l'ossature bois n'est pas du tout la mieux adaptée pour les opérations de logements collectifs, que c'est beaucoup plus adapté pour les opérations de petite et moyenne hauteur. Et qu'il y a une solidité du CLT et un rapport entre la solidité et la légèreté. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est à la fois un matériau extraordinairement solide, donc on peut vraiment monter et qui supporte vraiment beaucoup de choses, et en même temps, il est extraordinairement léger, donc il s'adapte très bien à la construction urbaine sur les surélévations et sur les constructions. Et puis il nous permet de répondre plus facilement aux questions d'acoustique, des questions de... Oui, bien sûr, tout ça est lié. Ça remplace le béton, le voile de béton, en fait. Ouais, absolument. Fait. Ouais. Vous le construisez, votre immeuble, comme un immeuble en béton, banché, voile, dalle, etc. Ça manque juste un tout petit peu de finesse, peut-être. Non, attends, les archis ne s'embêtent pas à calculer des contreventements compliqués. Je voudrais répondre à ça quand même. Nous, moi, je suis convaincu que le CLT est un matériau d'avenir, qu'il a du sens, qu'il est, etc. Bon, on a présenté, nous, des opérations en ossature, dont un R+5 en ossature. Donc, on sait faire des choses en ossature, etc. Moi, la frugalité, je suis d'accord, c'est un concept qui m'intéresse. Ces 30 dernières années, la frugalité dans le bâtiment, c'est quand même traduit par de la... Bon, je veux dire, voilà, ce qui a remplacé le vide, c'était du... presque vide. Le structure en BA13, en machin, etc., c'est quand même... On est arrivé, la cloison en placopan. C'est quand même un truc, si nos grands-parents, arrière-grands-parents voyaient ça, ils se poseraient des questions. Donc
l'alternative qui consiste à faire du bois et à remettre du papier craft à l'intérieur, ce n'est pas non plus une solution. Je pense que effectivement, le côté qualitatif du CLT, s'il est dans une filière vertueuse, la masse et la matière, ça fait de la qualité constructive quand même. Donc oui, la frugalité, je suis d'accord, mais la qualité aussi, elle passe par une certaine, qu'on a un peu perdue. Et toujours les petites anecdotes sur Philippe de Girard, donc en ossature. Alors, si je vous avais montré une coupe, c'est absolument fabuleux parce que tous les 2 cm, on change de matériau pour traiter des problèmes qui succèdent entre le feu, l'acoustique, le pare-pluie, la pare-vapeur. Et effectivement, quand on voit ça, on s'interroge un peu sur la pérennité de ces couches dans le temps. Les isolants qui se tassent, quand la laine de roche se sera un peu tassée, il ne restera plus que 2 bouts de BA13 entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, petite anecdote, il y avait une des locataires qui voulait mettre un éclairage au-dessus de sa porte d'entrée avec un détecteur de lumière automatique. Donc, c'est à peu près le seul sinistre qu'on a eu, enfin, début de sinistre qu'on a eu, parce que. Elle a eu juste à prendre sa perceuse, se faire bzzz, à traverser les 35 cm de mur d'un seul coup, passer son fil de l'autre côté et puis brancher sa caméra. Sauf qu'évidemment, quand il pleut, l'eau elle est passée par le fil, elle a commencé à migrer à l'intérieur. Si on avait été en CLT, peut-être qu'une petite lumière d'alarme se serait allumée avec sa perceuse. Elle ne serait pas allée au bout de ce problème-là. Voilà. Donc c'est vrai que la pérennité dans le temps... Surtout face à des gens, parce que là on parle de gens, les gens ont acheté leur bâtiment, acheté leur logement ou sont locataires dans le logement, ils ont reçu le petit carnet, etc. Dans 20 ans, la deuxième, troisième génération d'occupants, on a oublié de lui dire qu'il ne fallait pas percer des trous. Bien, nous allons peut-être nous arrêter là ce soir parce que je crois qu'il y a tellement de questions à poser que vous allez revenir et ils vont revenir. Voilà, l'ultime question. Une question de conclusion, du coup. Moi, je travaille chez Storenzo. Pour le coup, je suis nouveau dans la bande. On vend tous ces produits bois. Je vois beaucoup d'avantages dans la construction bois. J'y connais beaucoup de bénéfices. On a entendu aujourd'hui que ça a bénéficié les constructeurs, les intervenants sur le second œuvre, les développeurs, les bailleurs sociaux et même les occupants. Ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un que ça ne bénéficierait pas ? En dehors de la concurrence. Ah ben non, mais vous savez, faut lire Macron. On est quand même dans une civilisation et une société où y a beaucoup d'habitudes, beaucoup de pesanteurs, quelques rentiers aussi. Probablement, moi je dis souvent, vous savez, cette construction bois, c'est l'équivalent du passage pour l'industrie automobile des moteurs thermiques aux moteurs électriques, et du passage pour des gens comme Total de l'énergie carbonée à l'énergie renouvelable. C'est-à-dire que c'est probablement, et ce sera peut-être la conclusion de cette journée, honnêtement, une petite révolution et qui probablement va provoquer un certain désenchantement pour tous ceux qui n'ont pas compris qu'on ne construira pas demain comme on a construit depuis 30 ans ou 40 ans, et que les choses se dessineront à l'avenir différemment à cause de ce qu'on vous a raconté sur le besoin fantastique de rapidité que notre société dicte. Quand je vois mes enfants là, qui ont vos âges avec leurs trucs, la rapidité avec laquelle ils se commandent un truc, etc. Enfin, ils vont beaucoup plus vite que moi. Je pensais que j'étais un peu énervé moi dans la vie, mais ils vont encore plus vite, quoi. Donc il y a un besoin de rapidité. Donc, qui probablement va demander aussi des moments de plus nombreux de décompression. Mais il y a ce besoin de rapidité, il y a ce besoin d'écologie. Et je crois qu'il y a aussi ce besoin sincère d'un matériau naturel et de vivre dans un environnement naturel. Et c'est ça qui pousse, en fait, cette construction bois. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça, c'est votre conviction, c'est notre conviction, c'est votre conviction et notre conviction. Mais il y a encore un certain nombre, je dirais, de chemins à faire pour convaincre. Hein, que c'est pas encore totalement acquis. Merci. Alors avant qu'on se quitte, on reprendra le débat encore une fois. On n'a pas tourné la page définitivement. Hein, ce n'était que pour commencer l'année avec le bois. Je voudrais terminer en rappelant que Peter Zumthor, que vous connaissez tous ici, si cultivé dans l'architecture que vous êtes, pour l'exposition universelle de Hanovre, il avait été invité à construire un bâtiment. Et en fait, il a dit,
je suis d'accord pour faire ce bâtiment à une condition, que tous les éléments soient réutilisables. Et donc, il a construit en bois un parcours sensoriel, une sorte de labyrinthe où, justement, à ciel ouvert, où quand la pluie tombait, eh bien, justement, le bois exhalait. Il y avait là quelque chose, on a parlé de sensoriel. Donc, il y avait déjà la question constructive, la question sensorielle et la question de la réutilisation. Il y avait là un manifeste, justement, sur l'architecture écologique. Voilà, je vous le donne comme ça, mais on n'a pas à fermer le débat. On vous réinvitera tous et vous êtes les bienvenus ici. Le prochain rendez-vous ici à la plateforme, c'est un rendez-vous métropolitain sur la ville de Lille ou comment on transforme des immenses usines. Je veux parler de l'usine de Lille FIV, donc un monstre en pleine ville, et comment justement ça devient un lieu traversable alors que c'était une forteresse. Donc ça, c'est jeudi prochain. Voilà, au revoir.